soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous. Voilà. Nous sommes enfin connectés. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce moment merveilleux, pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps formidable. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Voilà. En tout cas, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons le célébrer, ce Dieu de gloire. Voilà. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Voilà, Marina Frère-Comin est là, Mathès Dibles est là, Baton Sokaga est là, sois béni. André Doris est là, Caleb, Elisabeth Mers, Chantal Kitty, sois béni. Grâce à Dieu racheté. Tamia est là, quelque part, sois béni. Marie-Victoire, tu es là, sois béni. Caleb Élisée, Flore Lafleur, Ismaël, fils de Dieu. Voilà, partagez le temps qu'on entre dans le thème en profondeur tout à l'heure. C'est un thème vraiment très important de parler du sujet de la prospérité. Je voudrais simplement vous amener aujourd'hui à comprendre certaines choses par les Écritures. Des choses qui concernent la richesse, qui concernent la prospérité. Je crois que Dieu est bon, nous aidera. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Entrer dans ta présence. Oh Dieu, nous voulons te soumettre l'espace géographique et spirituel, l'espace des hommes. Nous réclamons ta présence, nous réclamons ton autorité, nous réclamons ta gloire. Commence ce temps et achève-le dans la gloire. Nous croyons Seigneur que tu vas encore faire de grandes choses. Béni sois-tu pour ta main puissante qui agit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la musique est bonne? Est-ce que le niveau sonore est bon? Est-ce que le son est parfait? Vous m'entendez parfaitement, c'est bon? Ok, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu, nous allons lire dans Proverbe 23. Proverbe 23, verset 4 à 5. Proverbe 23, verset 4 à 5. Proverbe 23, verset 4 à 5 dit ceci. Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Je répète, ne te fatigue pas pour t'enrichir. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien. Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le passage que nous venons de lire, tiré de Proverbe 23, versets 4 à 5, qui nous parle de la richesse. La Bible nous dit de ne pas appliquer notre intelligence à chercher la richesse, de ne pas se fatiguer à chercher à s'enrichir. Car à peine même on ouvre les yeux, l'argent vole, la richesse vole vers le ciel. Parce que l'argent, la richesse se fait des ailes pour aller dans les hauteurs. Waouh! C'est un verset mystérieux.
un verset mystérieux, un verset curieux, parce que nous sommes aujourd'hui au premier jour de notre séminaire sur la prospérité et aujourd'hui nous parlons du sous-thème les mystères de la richesse. Et nous allons parler précisément de l'argent. Les mystères de la richesse, et nous allons parler de l'argent. Vous savez, c'est important. C'est très, très, très important. Quelqu'un me dit qu'on n'entend rien. On n'entend rien. Yvette Mouette Billy dit on n'entend rien. Est-ce que vous entendez? Faites-moi des cœurs et dites-moi si vous entendez. Je ne sais pas si vous entendez ou pas. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui dérange? C'est quoi? Vous entendez ou vous entendez pas? Répondez-moi si vous entendez, mettez oui ou non, comme ça je saurai que vous entendez ou pas. Ça va, vous me suivez? Ok, apparemment ça va. Ok, vous m'entendez, donc c'est bon, c'est parfait. Alors, vous savez, c'est un sujet très important, un sujet délicat dans l'Église. Et nous allons en parler. Nous allons en parler. Ce sujet est un sujet très important. Alors, c'est un sujet très important parce que l'argent, c'est un sujet qui est sujet à controverse. Et nous allons voir la place de l'argent dans la vie chrétienne, la place de l'argent dans la vie en général. Et pour moi, c'est un sujet dont il faut parler à bâton rompu. C'est un sujet dont il faut discuter de plus en plus dans les assemblées chrétiennes et dans l'Église, de façon très claire, de sorte à ce que les chrétiens soient situés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complexées devant l'argent, devant la richesse, d'autres personnes qui vivent mal la pauvreté, qui ne comprennent pas toutes ces choses. Alors il est important de situer, n'est-ce pas, les chrétiens sur la place de l'argent, si oui, non. Un chrétien doit avoir l'argent, s'il doit être riche ou pas, bon, c'est pas de l'argent, mais je parle des richesses en général. Est-ce qu'il doit avoir des richesses? Est-ce qu'il doit avoir l'argent? Etc., etc. Donc, nous allons essayer de voir au cours de ce séminaire, nous allons essayer de développer, selon que le temps nous le permette, un séminaire, eh bien, ce séminaire sur la prospérité. Mais aujourd'hui, nous allons parler des mystères des richesses, du mystère des richesses, et notamment, nous allons parler, aborder le point central de l'argent. Alors, Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22 dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ouais. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ouais. Donc, déjà même, Dieu en bénissant, enrichi. Dieu en bénissant, enrichi. Vous voyez? Et donc nous comprenons que la richesse, les richesses, être riche, c'est une conséquence de la bénédiction de Dieu. Je vais le dire de façon plus précise. Dieu peut t'enrichir en te bénissant. Voilà. C'est plus correct de dire ça comme ça. Dieu peut t'enrichir en te bénissant. Oui, c'est important de comprendre ça. Dieu peut t'enrichir en te bénissant. Donc, c'est dit que déjà Dieu n'est pas contre. Parce que ce que la bénédiction fait, c'est d'enrichir. Proverbe 10, 22. Vous comprenez? Et alors, quand on parle de richesse ici, il faut entendre les richesses spirituelles. On en parlera, on aura le temps de parler des richesses spirituelles, des richesses émotionnelles, des richesses matérielles, des richesses intellectuelles, des richesses spirituelles, des richesses financières, pardon, des richesses financières. En parenthèse, l'argent. Voilà. Donc, tout ça sont des richesses.
Donc, Dieu, en bénissant, peut donner ces choses par sa bénédiction. Dieu peut te donner des richesses spirituelles, il peut te donner des richesses émotionnelles, des richesses matérielles, des richesses intellectuelles, mais aussi des richesses financières. Ça fait partie de ce que Dieu a prévu nous donner par la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Allons-y maintenant voir un verset très important, Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18 dit ceci. Vous voyez, c'est un verset vraiment fort que je vous demande de retenir. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Retenez très, très, très bien ce verset. La Bible dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force est la vigueur de ma main. Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Et je précise ici que le mot qui est utilisé pour traduire richesse de l'hébreu ici, ce mot est le même mot qui est utilisé pour traduire pouvoir. Donc, on pourrait dire dans ce verset, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses ou ce pouvoir, ou ces pouvoirs. Parce que le mot richesse ici est le mot pouvoir. Et la Bible continue pour dire, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne le pouvoir, n'est-ce pas, pour acquérir ces richesses, c'est-à-dire ce pouvoir, afin de confirmer comme il a juré, comme il est fait aujourd'hui, selon son alliance qu'il a juré à ses pères. Vous voyez, c'est un verset vraiment, un verset intéressant, un verset très, 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 très fort, qui dit ceci. Vous voyez, la Bible dit, faut te garder de dire dans ton cœur que c'est ma force qui m'a acquis toutes ces richesses-là. La Bible dit, il ne faut pas dire. Dieu dit, il ne faut pas dire si je suis riche. C'est ma force, c'est ma puissance. Dieu dit, n'ai pas dit ça. Parce que c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses. Et le mot richesse veut dire pouvoir. Parce que dans la pensée hébraïque, celui qui a les richesses a le pouvoir. Est-ce que ça veut dire? Le mot qui est utilisé ici pour richesse, c'est le même mot qui est utilisé pour pouvoir. Comprenez? Donc, c'est important de comprendre cela. Et on dit. Donc, nous comprenons dans ce verset qu'il faut la force pour acquérir la richesse. Ce n'est pas ta force physique. Ce n'est pas ta force physique dont on parle. Ne dis pas la vigueur de mon bras. Ne dis pas la force de mes muscles. Ne dis pas la puissance que j'ai pour opérer, travailler. Tout ça, ce n'est pas ça qui va te produire des richesses selon la pensée de Dieu. Parce que regardez très bien. Adam était dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il était en alliance avec Dieu, vous allez voir le niveau de ses richesses. Il avait de l'or, il avait du bdellium, il avait du chrysolite, il avait du topaze, il avait des pierres précieuses. Il avait les richesses du jardin, il y avait toute espèce d'arbres agréables, des fruits à manger, l'abondance, il avait l'eau, il avait la prospérité, la richesse dans le jardin. Mais lorsqu'il s'est coupé de Dieu, il est parti dans la partie sèche. Sa force physique n'avait pas changé. Sa capacité intellectuelle n'avait pas changé. Mais ce qui avait changé, c'était son alliance qui avait changé. Il avait perdu Dieu. Il n'était plus en alliance avec Dieu. La Bible dit qu'il semait, il plantait, mais il moissonnait des épines et il moissonnait des chardons. C'est-à-dire qu'il récoltait peu. Pour avoir travaillé beaucoup, et on dit ça à la sueur de son front. Donc, c'est une malédiction. Les chrétiens prient avec ce verset. Il est écrit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Non, c'est une malédiction. On ne prie pas avec ce verset. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu ne dois pas gagner ton pain à la sueur de ton front. C'est après la malédiction. C'est après que le sol d'Adam a été maudit que maintenant il transpirait pour avoir. Sinon, ce n'était pas comme ça quand il était avec Dieu, quand il avait une relation avec Dieu, quand il était en contact avec Dieu, quand il était en alliance avec Dieu. Il ne transpirait pas pour moissonner. Non.
Il avait les fruits à portée de main. Il avait l'abondance à portée de main. C'est ça. Lorsque Jésus-Christ vient à la croix pour mourir et que son sang coule pour briser la malédiction du sol, il va porter les épines sur sa tête pour ne pas qu'en sémant, on moissonne des épines et des chardons. Il brise cette malédiction pour que toi et moi maintenant soyons riches, pour que nous soyons réintroduits dans le jardin. Parce que le royaume des cieux devient maintenant l'environnement de la présence de Dieu, ça devient Éden à nouveau. Et maintenant, en fonction de notre reconnexion avec Dieu, notre alliance avec Dieu, on doit pouvoir moissonner comme Adam moissonnait quand il était dans le jardin. Alors moi, je ne peux jamais prier pour dire à la sueur de mon front, c'est une malédiction. Pourquoi tu pries avec un verset qui envoie la malédiction sur toi? Non, tout est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas tout, on peut oublier. Non. Dieu veut t'introduire dans le jardin à nouveau. En te mettant dans le royaume des cieux, il te met dans l'environnement de sa présence parce que Éden veut dire délice. Éden veut dire environnement de la présence de Dieu. Et c'est là que tu dois développer ta relation avec Dieu pour porter du fruit. Et tout en verdoyant, selon Jean chapitre 15. Le sarment, tout sarment qui est en moi porte du fruit. Mais quand le sarment est mort, il est coupé. Celui qui est en moi, il y a des sarments qui sont en lui qui portent du fruit, il y a des sarments qui ne portent pas du fruit, il y a des sarments qui sont secs, il y a des sarments qui sont verdoyants. Ça veut dire lorsqu'on est dans le royaume, on est devenu chrétien, ce n'est pas automatique qu'on va commencer à avoir des fruits, on va commencer à devenir riche. Tout dépend de ta relation, de ta qualité. Comment ta connexion? Et parce que ce verset de Deutéronome 8 est très important, qui dit que c'est Dieu qui nous donne de nous enrichir. C'est Dieu qui nous donne de nous enrichir. Oui. Donc, c'est important de savoir que Dieu veut nous enrichir. Dieu veut nous connecter à la richesse. Dieu veut nous enrichir. Mais nous avons besoin de comprendre certains secrets de la Bible. Nous avons besoin de comprendre certains principes. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ces principes. Donc, la Bible dit dans Deutéronome 8 que c'est avec la force. C'est avec la force que tu peux t'enrichir. Mais quelle est cette force? C'est la force de Dieu. Oui? C'est la force de Dieu. Ce n'est pas ta propre force qui peut te permettre de t'enrichir. Parce que la force physique d'Adam n'avait pas changé. La force physique d'Adam n'avait pas changé dans le jardin où après sa force physique était pareille. Ce qui avait changé, c'était qu'il n'avait plus d'alliance avec Dieu. Il n'était plus en contact avec Dieu. D'où il avait un problème. Ça veut dire que le niveau de productivité, le niveau de richesse, d'acquisition de richesse était connecté au spirituel. Écoutez-moi très bien. Le niveau d'acquisition des richesses matérielles, toutes ces richesses-là étaient connectées avec le spirituel. C'est donc le spirituel. C'est pour cela qu'il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction, c'est spirituel. C'est la bénédiction. Elle est d'abord spirituelle et maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est-à-dire produit des richesses. Si vous comprenez. Donc, si quelqu'un est maudit, il ne peut pas devenir riche. Il y a là donc un problème spirituel. Oui. Adam, après qu'il ait été séparé de Dieu et que le sol avait été maudit, il ne pouvait plus devenir riche. Il ne pouvait plus dominer, il ne pouvait plus régner, il ne pouvait plus avoir ces choses. Donc ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas tellement l'aspect matériel des choses, mais c'est l'aspect spirituel des choses. C'est l'aspect spirituel des choses qui est important. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux faire comprendre, c'est que nous devons naviguer aujourd'hui dans la parole de Dieu et dans ce séminaire pour que tu puisses entrer dans l'acquisition de tes richesses. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 10, des bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Mais beaucoup de personnes peuvent vivre, mourir sans pratiquer ces choses. Adam a passé toute sa vie dans la partie sèche après s'être séparé de Dieu, dans la misère, dans le manque, dans l'abandon, dans la tristesse, toutes ces choses. Alors que Dieu voulait qu'il soit dans le jardin, comme ça, beaucoup de chrétiens vivent dans la misère en pensant que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux.
Dieu t'a fait pour que tu sois heureux. Il t'a dominé. Faisons l'homme à notre image, selon notre image. Pour qu'il domine. Pourquoi l'homme ne domine pas? Pourquoi l'homme ne s'enrichit pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi pour devenir riche, on est obligé d'aller faire des pratiques ténébreuses? Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts, faire des fétiches, d'aller faire des marchés. Tout ça, tu n'as pas besoin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, quelqu'un sera affranchi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit, c'est Dieu qui te donne la force pour acquérir ses richesses afin de confirmer ton alliance. Oh my God, my God, my God. Afin de confirmer ton alliance. Ça veut dire, quand le sang de Jésus a coulé pour toi, là, écoute-moi bien. Puisque selon Galates chapitre 3, verset 13 à 14, la Bible nous dit que la même alliance dont jouissait Abraham et ses descendants-là, cette même alliance-là, nous jouissons d'elle par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Lorsque nous entrons en Jésus-Christ maintenant, le sang de la nouvelle alliance, d'ailleurs les dispositions de la nouvelle alliance sont bien meilleures que la première alliance. Et ça nous donne davantage, plus de privilèges, ça nous positionne de façon à pouvoir devenir bien riche même d'ailleurs. Et la Bible dit, c'est pour confirmer notre alliance. Regardez, je vais vous expliquer les choses. Quand le peuple était en Égypte, ils étaient esclaves. Le peuple de Dieu était en Égypte, le peuple était esclave. Ils mangeaient dans la marmite de Pharaon. Ils étaient limités dans leur avoir, dans leur pouvoir. Ils étaient limités dans leur état. Ils ne pouvaient pas avoir ce qu'ils voulaient avoir, bâtir ce qu'ils devaient bâtir pour eux-mêmes. Ils étaient sous une malédiction. Quand ils sont sortis de la mer, ils sont arrivés dans le désert, ils ont traversé le désert. Donc, ils ont initié l'alliance en Égypte, comme j'ai dit. Et maintenant, ils sont allés sur le mont Sinaï, ils ont conclu l'alliance. Quand ils ont conclu l'alliance, écoutez-moi très bien. Pour confirmer leur alliance, on leur a donné maintenant d'entrer ensuite dans la terre promise, là où il y a le lait et le miel, où il y a l'abondance. C'est ça qui va confirmer ton alliance. Parce que quand ton alliance est établie, tu vas entrer dans une zone où on dit le lait, mais on dit ça coule, où il y a l'abondance. C'est un pays d'abondance, un pays de repos. Le désert, c'est pour éprouver ton alliance. On peut traverser un désert, traverser un temps de pauvreté. C'est ça, la Bible dit, c'est l'Éternel qui a appauvri, c'est l'Éternel qui a enrichi. Ça vient chapitre 2, verset 7 et suivant. Le même Dieu peut t'appauvrir d'abord, mais dans le but de t'enrichir. Dieu ne t'appauvrit pas pour te laisser, c'est le diable qui veut que tu restes dans la pauvreté. Non, ce n'est pas biblique. La pauvreté est un passage. Pauvreté financière, je parle ici de matériel, est un passage pour amener l'homme à s'attacher à Dieu, pour vérifier l'état du cœur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec Dieu dans le but de chercher à avoir beaucoup. Donc Dieu va te faire traverser des moments de désert, des moments de manque, où tu vas manquer, où tu vas traverser la faim, la famine, la soif, ces genres de choses. Et on dit, ils portaient des vêtements, les vêtements. Et n'est-ce pas, étaient adaptés à leur corps, leurs chaussures ne les serraient pas, leurs pieds ne débordaient pas dans leurs chaussures. Ils ont vécu ça pendant 40 ans. Dieu leur a donné la manne, ce dont ils avaient juste besoin. Il y a une phase de ta vie où Dieu va te donner ce dont tu as juste besoin. Tu cries, il ne te donnera pas plus. La Bible dit quand la manne descendait, ils mangeaient juste le reste, à tout ce qu'ils mangeaient le plus, ça sortait par les narines. Il y a une phase où tu vas avoir, même quand tu vas avoir beaucoup, tu vas pouvoir, mais tu ne pourras pas consommer beaucoup. Ça vient, ça va partir comme ça vient. Parce que Dieu va te donner juste vivre le minimum parce qu'il veut te duquer. Il veut que tu comprennes la parole selon laquelle il a écrit ceci dans Deutéronome chapitre 8, verset 4, verset 2 à 4. Il a dit, je t'ai fait connaître la faim, la soif. Je t'ai fait traverser ce désert redoutable et affreux pour voir ce qu'il y avait dans ton cœur. Si oui ou non tu obéiras à ma parole, à mes commandements. Dieu voit ton cœur dans le temps de la pauvreté, dans ton temps de manque. Dieu voit ton cœur. Si véritablement tu es venu dessus pour chercher l'abondance, mais tu es venu dessus par amour. Il dit, afin que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, le juste, il vit par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. Donc, Dieu veut que tu dépendes de sa bouche. Dieu veut que tu dépendes de sa parole. Tes bras peuvent travailler, ton cerveau peut travailler, parce que tu as des diplômes, mais dépend de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui va te donner le maximum de ce que tu peux avoir sur la terre. Ce n'est pas ta force sera limitée. Ta force physique va te limiter. C'est comme cela dans le psaume 127, on dit ceci. On dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui bâtissent. S'il ne veille, c'est en vain que veillent ceux qui veillent. On dit, tôt le matin, il va au travail, le soir, il vient pour manger le pain d'affliction. Mais mon bien-aimé,
quand tu dors, je le comble. Mon bien-aimé, quand tu dors, il le comble. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas bâti leur maison avec le roc que Jésus est, ils n'ont pas bâti leur vie avec la parole, avec le roc, ils vont faire beaucoup d'efforts, ils s'élèvent tôt, ils rentrent tard, mais ils reçoivent peu. Tu n'as pas vu que ta vie ressemble à une forme d'esclavage? Tu travailles beaucoup, tu as 2 boulots, 5 boulots. Il y a d'autres qui ne dorment pas. Ils pensent avoir 5 boulots, 6 boulots. C'est ça qui a fait qu'ils vont percer, mais ils oublient Dieu. Tellement le boulot est prenant, le travail est prenant, mais le boulot c'est un boulet. Tu vas travailler, tu deviens esclave, ça devient des chaînes. Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Tu n'as même pas le temps pour lire la parole. Tu n'as même pas. Oh, dans le psaume 1, quand il dit, celui qui médite la parole jour et nuit est comme un arbre planté près d'un coup de tout ce qu'il fait réussit. Il porte son fruit quand vient la saison, son feuillage est toujours verdoyant, tout ce qu'il fait réussit. Les chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est la force. Ils travaillent, ils luttent comme Adam, mais il est dans la partie des esthétiques. Il a coupé avec Dieu et puis il cherche les richesses. Non! Il y a quelque chose, un principe qui te manque certainement. Bien-aimé, je veux te montrer dans la Bible que la richesse ici, qui vient de Dieu, n'est pas démoniaque ici. On dit c'est pour confirmer ton alliance. Si tu as une alliance, quand Dieu va te rendre riche, il confirme ainsi ton alliance. Tu peux avoir une alliance, mais l'alliance n'est pas confirmée tant que tu ne deviens pas riche. Donc, c'est un signe que nous recherchons pour établir, pour démontrer que nous avons une alliance avec Dieu. C'est important, on peut avoir une alliance. Mais on dit pour confirmer notre alliance. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, acquérir les richesses, c'est une bonne chose. Et la Bible nous dit quoi? Que c'est un serment divin. Dieu a fait un serment à Abraham et à ses descendants. Dieu a juré pour dire Abraham et à ses descendants. Il dit, moi, je donne à Abraham et à ses descendants la force pour devenir riche. Je veux confirmer ainsi par la richesse votre alliance. Donc, de quoi on parle même? Quand on dit que le chrétien ne peut pas être riche, de quoi on parle? Les gens ne lisent pas bien la Bible. Parce qu'ils ont des fausses conceptions dans la tête. Quand ils voient un chrétien qui est bien, quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un qui porte un bon habit, qui a une belle voiture, qui met le beau parfum, qui a un compte en banque où il a l'argent, qui a une belle voiture, une belle maison. C'est, les gens commencent à dire, il est mondain. Qu'est-ce qui est mondain dedans? L'argent est tout à fait biblique. Être riche, c'est divin. Est-ce que Dieu lui-même est pauvre? Est-ce que Dieu lui-même est pauvre? Parce qu'on sait un Dieu qu'on ne connaît pas. On sait un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est l'ignorance qui fait ça souvent. Regardez. Oui, l'argent est un problème dans l'église parce qu'il y a beaucoup de fausses conceptions, en fait. Beaucoup de fausses conceptions, vous voyez. Je vais citer quelques fausses conceptions qui font que l'argent a des problèmes dans l'église. Tout à l'heure, je parlerai des fausses conceptions. J'en parlerai tout à l'heure. Mais avant d'arriver là-bas même, je vais définir d'abord certains thèmes. Et c'est important qu'on se mette d'accord sur ces thèmes. Oui, quelques définitions donc importantes. L'argent, les richesses là, on peut appeler ça l'abondance. Les richesses, on peut appeler ça un état d'opulence. On peut appeler ça les biens. On peut appeler ça les moyens. On peut appeler ça la fortune. On peut appeler ça les trésors. Tout ça, là, c'est les mêmes thèmes pour désigner les richesses. Même thème pour désigner les richesses. Alors, dans le système des hommes ici, là, dans le monde, la Banque mondiale, par exemple, définit certains pays en fonction de leur revenu national brut. Voyez, leur revenu national brut. RNB, le revenu national brut selon la Banque mondiale, ils apprécient ça et ils permettent de catégoriser les pays. Par exemple, on va dire par exemple, c'est un pays qui est pauvre, très pauvre, ou bien qui sort de la pauvreté, etc., etc. Il faut une classification. Sur la base, on prend les revenus, n'est-ce pas, nationaux, et puis on divise ça par le nombre d'habitants. Et puis on dit, bon voilà, par habitant, ce qu'on gagne, on estime que ça, c'est un pays pauvre. Donc, il définit un pays pauvre.
Il définit des pays très pauvres, des pays très endettés, etc. Il définit à partir des standards. Vous voyez? Donc, le truc, c'est que nous, nous appartenons à deux royaumes. À deux systèmes, j'avais dit. Le système du royaume des cieux dans lequel nous sommes en tant que chrétiens. Je parle aux chrétiens là. Je parle aux chrétiens, excusez-moi. Les chrétiens, s'il y a des gens qui sont pas chrétiens qui écoutent, mais je parle aux chrétiens là. Donc, nous sommes dans le système du royaume des cieux. Et deuxième chose, nous sommes dans le système du monde. Nous vivons dans le monde avec son organisation, sa façon de fonctionner, etc. Mais nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais nous sommes du royaume des cieux. Mon royaume est d'en haut, n'est pas d'ici, a dit Jésus. Donc, alors, on peut vivre dans un pays pauvre. Écoutez-moi très bien. On peut vivre dans un pays pauvre, tel que la Banque mondiale définit le seuil, le standard de la pauvreté ou de la richesse. On peut vivre donc dans un pays pauvre et être riche. Écoutez-moi bien. On peut vivre dans un pays pauvre et être riche. Tout comme on peut vivre dans un pays riche et être pauvre. Est-ce que vous comprenez? Les pays comme le Bangladesh, là, c'est des pays pauvres. Mais là-bas, il y a des Bangladeshis qui sont riches. Des pays riches comme les États-Unis, il y a des gens qui sont pauvres ici. Moi, ici, je les vois. Le pays est riche, mais des gens sont pauvres. Il y a des pays qui sont pauvres, mais des gens sont riches. Donc, en fait, la richesse, là, elle n'est pas tellement définie, ou la pauvreté n'est pas tellement définie par ton environnement, n'est pas tellement définie par le pays dans lequel tu es. Parce que dans le même pays qu'on a défini comme étant pauvre, il y a des riches. Ou dans le pays qu'on a défini comme étant des riches, étant un pays riche, il y en a qui sont pauvres. Donc, ce n'est pas le pays qui va faire que tu seras pauvre ou riche. C'est toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il s'en est dit? Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un royaume qui est riche. Alléluia. Glory be to God. Maki brose helibosha. Notre royaume là, il est riche. Le royaume des cieux est riche. Vous ne croyez pas? Notre royaume est riche, mais beaucoup ne savent pas. Ils vont à l'église. Il y a l'aspect qu'ils regardent. Mais ils ne savent pas dans quel royaume ils sont. Vous savez, on peut entrer dans un royaume, vivre dans un royaume et être aveugle. Tout comme on peut entrer dans un royaume et être clairvoyant et voir clair. Éphésiens chapitre 1. Alors dans Éphésiens chapitre 1. Regardez Éphésiens chapitre 1. Je vous lis ce passage, vous allez comprendre ce qui s'en est dit. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à ses adeptes, à ses disciples. Il dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Ce verset me donne la chair de poule. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Ça veut dire, il y a des gens qui ont des yeux pour ne pas voir. Parce qu'il y a un voile sur leurs yeux. Ce voile fait qu'ils sont des aveugles, quoique ayant des yeux. C'est pour ça que Jésus a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ils vont aller tomber dans le trou tous les deux. Si celui qui te conduit est aveugle, comment il veut t'amener à la lumière? Comment il veut t'amener dans les choses bonnes? On dit, il dit qu'il sache, qu'il illumine les yeux. Donc, on a besoin d'être éclairé. Écoutez-moi bien, on a besoin d'être éclairé. On a besoin d'être éclairé, on a besoin d'être illuminé. On a besoin d'une révélation, un esprit de sagesse et de révélation. Que Dieu vous fasse connaître la connaissance, la sagesse et la révélation. On a besoin de ces choses, de la connaissance, la sagesse et de la révélation.
On a besoin donc que Dieu enlève les voiles qui sont sur nos cœurs, qui font qu'on n'arrive pas à voir la glorieuse richesse qui est au milieu de tous les chrétiens, au milieu de tous les saints là. Cette richesse qui est glorieuse de Dieu qui s'attache à notre appel. Quand Dieu t'a appelé, il y a une espérance qui t'a donné. L'espérance, c'est que dans son royaume où tu es rentré, il y a la gloire et il y a la richesse. Mais beaucoup d'aveugles sont dans le royaume. Quoi qu'a fait de vie chrétienne, c'est aller à l'église. C'est fini, quand on a fini, on rentre, c'est fini, on est là. Et puis on dit, oh, c'est pas ça. Ils sont attachés au chemin, mais ils ne comprennent pas les principes. Parce qu'on a besoin d'un esprit de sagesse. On a besoin d'un esprit d'intelligence. On a besoin d'un esprit de révélation pour que Dieu nous donne d'ôter le voile et de comprendre qu'il y a la richesse dans le royaume. Sinon, tu peux être dans un endroit où il y a la richesse et vivre pauvre. C'est ce qu'il disait. Beaucoup de chrétiens sont dans le royaume, mais à cause de leur façon de voir, à cause du voile qui est sur leurs yeux, ils n'arrivent pas à tirer profit du royaume où il y a beaucoup de richesses. Et ils disent, je suis devenu chrétien. Quand je suis devenu chrétien, ma vie n'est que pauvreté. Je préfère répartir chez le monde. Je préfère répartir dans le monde, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les jeteurs de cori, chez le diable, afin de devenir riche. C'est faux. C'est parce que tu es ignorant, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le royaume, que tu penses comme ça. Abraham, il était riche. Il n'est pas en enfer. Isaac était riche. Jacob était riche. Joseph était riche. David était riche. Salomon était riche. Même Zachée, Jésus a dit, celui-ci n'était-il pas descendant d'Abraham? Regardez comme Zachée était riche. Et on dit la même alliance qu'eux avaient là. Toi, tu as la même alliance, même si tu n'es pas fils biologique d'Abraham, mais en Jésus-Christ, cette même alliance qui les a rendus riches est pour toi. Mais alors, on fait croire aux chrétiens que non, la richesse est pour les gens du monde. Il va montrer ça aujourd'hui. Quand tu vas entendre cet enseignement, tu seras délivré pour de bon. Toute ta vie, ça a changé ta vie. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regardez. Genèse chapitre 26, verset 1 à 3. Il veut appuyer ce qu'il disait là. Genèse chapitre 26, verset 1 à 3. Dans Genèse chapitre 26, verset 1 à 3, la Bible nous dit qu'il y eut une grande famine au temps d'Isaac. Et cette grande famine avait aussi existé au temps d'Abraham. Et Abraham la traversa. Alors Isaac a décidé de quitter le territoire pour descendre en Égypte, de quitter le territoire de Guérar, le territoire des Philistins pour aller en Égypte parce qu'il voyait l'abondance de l'Égypte. Il voyait la verdure de l'Égypte. Il voulait fouiller pour aller là-bas. Dieu dit, tu vas où? Il dit, ah, il y a la famine. Ici, on ne gagne pas à manger. Il est parti en Égypte pour aller me chercher un peu. Tous les bailleurs de fonds sont partis. Tous les investisseurs sont partis. On dit, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. C'est dur. Il est parti me chercher en Égypte. Là-bas, là, il y a à manger, il y a travail. Dieu dit, tu ne bouges pas. Tu as une alliance avec moi ou pas? Si tu respectes l'alliance que moi, que ton père Abraham a respecté vis-à-vis de moi, comme Abraham a traversé cette même famine, cette famine, en fait, elle n'est pas venue à ton temps. Elle était là déjà au temps de ton père. Ton père l'a traversé, ça n'a pas empêché de devenir riche. Tu la traverseras. Alors, on partit du verset 12 de Genèse, chapitre 26. La Bible dit ceci. La Bible dit, que Isaac était là. La Bible dit Isaac a sémé. Isaac a sémé dans le désert. Vous savez, généralement, quand on est dans le désert, qu'on a faim, le peu de grains qui nous reste dans la famine, là, on mange ça avec notre famille. Notre famille, on garde, on ne sème pas. C'est pour ça que la veuve de Sarepta, là, dans 1 Roi chapitre 17, quand il y était venu, il prépare qu'il mange d'abord, il y aura l'abondance. Elle dit non. Ça là, c'est pour mon enfant et moi. Nous mangeons et nous mourrons. Il n'y a plus rien. Il ne peut pas te donner un homme de Dieu. Il ne peut pas donner la part de Dieu. Et il a dit, prépare qu'il mange d'abord. Quand il a fait le gâteau à lui, il l'a mangé, il a prophétisé. Il dit,
point d'huile, point de farine ne manqueront dans ton vase. Et à compter de cet instant, elle a eu l'abondance qu'à ce qu'elle traverse le désert. D'où était venue la richesse? La richesse est sortie de la bouche d'Élie, de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas cette dimension de foi-là pour comprendre que c'est Dieu qui rend riche. Dieu a la capacité de rendre riche, ils ne comprennent pas. Ils marchent avec un Dieu qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils se disent que Dieu est assez puissant pour les amener au paradis, mais Dieu n'est pas assez puissant pour les rendre riches sur la terre. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Alors la Bible dit quoi? Qu'est dans ce passage? Abraham sema et Jacob, Isaac sema du moins. Isaac sema dans Genèse 26, verset 12, jusqu'au verset 14. Et la Bible dit ceci. Il devient riche parce que Dieu le bénit. Il récolta au centuple et il devient riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche et les habitants du territoire était jaloux de lui. Il avait un petit bétail en grand nombre, un menu bétail, et il avait un gros bétail en grand nombre. Et Isaac était devenu très, très, très riche. Très, très, très riche. Isaac était devenu très, très, très riche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à s'entendre dire? Quelqu'un commence à s'entendre dire? Oui. Et la Bible dit que les Philistins étaient jaloux de lui. Bien-aimé, dans la vie, il y en a qui sont jaloux et il y en a qui sont jalousés. Il y en a qui sont jaloux et il y en a qui sont jalousés. Quand Dieu te rendra vraiment riche, les gens seront jaloux de toi. Est-ce que tu comprends ce que tu en as dit? Donc, je préfère qu'on me jalouse plutôt que moi je sois jaloux. Parce que si tu n'es pas riche, tu n'as pas les richesses de Dieu, tu vas finir par être jaloux des autres. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend bien ce qu'il est en train de dire? Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Et puis des gens peuvent être dans un royaume des richesses et puis ils peuvent ne pas être riches. Que se passe-t-il pour que quelqu'un soit dans un pays où il y a la richesse et puis il peut ne pas être riche? Ou bien, que se passe-t-il pour que quelqu'un soit dans un pays pauvre et puis il devient riche? Regardez. Vous allez voir, par exemple, je prends un pays comme la Côte d'Ivoire. Et puis, je prends l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire utilise le CFA. Mais tous ceux qui travaillent dans l'ambassade des États-Unis, tous ceux qui sont américains, mais qui travaillent dans l'ambassade des États-Unis, y compris l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, ils sont sur un territoire étranger, quoi qu'ils soient, dans la terre de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, ils ont été hébergés, ils ont été abrités dans le territoire de la Côte d'Ivoire, mais comme c'est une ambassade, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Ils restent des Américains, mais seulement qu'ils sont dans le territoire de la Côte d'Ivoire. Leur monnaie, la façon dont ils sont payés, leur monnaie, tout ça là, ça vient des États-Unis. Leurs ordres, leurs instructions, tout ça, ça dépend des États-Unis. C'est pour ça, le jour où il y a guerre, où il y a des problèmes, on envoie un hélicoptère pour les chercher, pour les faire partir. Vous dites qu'ils ne sont pas comme vous. Comment ils en ont dit? Il peut avoir la pauvreté en Côte d'Ivoire, il peut avoir des problèmes, mais eux, leur monnaie, le dollar, là, ça ne change pas, ça ne fluctue pas. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons une ambassade. Les églises sont des ambassades. Quand tu es dans l'église, tu es dans l'ambassade de Christ, dans le monde. L'ambassade est ouverte dans le monde. Il y a l'argent qui est dans le monde qui est ici là. Mais ce n'est pas ta monnaie. Ta monnaie se trouve au ciel. Oh, ta monnaie est stable. Elle n'est pas fluctuable. Elle n'est pas influençable par les problèmes qui se passent sur la terre des hommes. Mais si tu n'as pas la mentalité, tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas l'esprit du royaume, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Regardez, Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci. Romains 12, 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent.
Le mot siècle ici, c'est le mot monde, c'est le mot cosmos, c'est-à-dire système de pensée. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je reprends. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. Nous sommes dans le monde, cosmos. Mais nous ne devons pas nous laisser transformer par ce monde. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. C'est-à-dire, ce n'est pas que Isaac est dans le territoire de Guérère. On dit à la pauvreté autour de lui que lui doit être pauvre. Non, il refuse. Il y a le manque, les bailleurs de fonds sont partis, tout le monde, il n'y a plus rien. Mais Isaac n'a pas pu prospérer. Élie est au torrent de Kéri. Tant qu'Élie est soumis à la voix de Dieu, il est attaché à Dieu. Il est au torrent de Kéri. Dans le torrent de Kéri, les corbeaux vont lui envoyer à manger du pain et de la viande. Et il va boire l'eau du torrent, même s'il y avait la sécheresse autour. Parce que c'est là qu'il est parti sur la ville de Saretan. Il y avait le manque, il y avait la sécheresse. C'est lui qui a fermé le ciel avec sa parole. Il prêchait et envoyait des persécutions. Mais la Bible dit que les corbeaux sont venus d'en haut. C'est une aide qui est venue d'en haut. Tu as besoin d'une aide divine. Tu as besoin d'une aide d'en haut. Pour que même dans ta pauvreté, tu aies l'abondance. Dans ton manque, tu aies l'opulence. C'est impossible que dans ta pauvreté, Dieu t'envoie la richesse. Là où il y a la pauvreté autour de toi, le manque autour de toi, Dieu est capable de t'enrichir. Dieu est capable. Mais le problème, les chrétiens ne croient pas à la provision qui vient d'en haut. Ils ne croient pas à ça. Ils ne croient qu'à leur force. Ta force, oui, elle peut te donner des résultats. Adam travaille à sa force, là, des résultats. Mais c'est des épines et des chardons. Je ne dis pas de ne pas travailler. Je ne dis pas de ne pas utiliser ton intelligence. Utilise là. Mais il y a mieux qui peut te donner mieux et faire la différence. Et c'est ça qui va te différencier des autres qui n'ont pas ton Dieu, le Dieu que tu as là. Ça. L'aide viendra d'en haut. Est-ce que c'est comment? Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Il y a trop de conformisme et de conformité avec le monde. Non. La Bible dit quand le peuple de Dieu était en Égypte, l'Égypte c'est le monde. Ils étaient en Égypte, mais on les a mis dans la partie la plus riche, Goshen. Pendant qu'il y avait les ténèbres dans le camp des Égyptiens, où les chiens étaient en train d'aboyer, les gens n'arrivaient pas à se déplacer pendant 3 jours. Les ténèbres étaient bien épaisses. Eux, chez eux, il y avait la lumière. Dieu est un Dieu qui veut faire la différence avec toi. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui croient en moi, entre ceux qui ne croient pas en moi. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Où est donc la différence? Si on doit se confondre au monde, avoir les résultats que le monde a, et d'ailleurs, il nous dépasse même dans certains domaines. Non! Il dit, vous serez la tête et non la queue. La promesse d'être à la tête, c'est la promesse de Dieu, Deutéronome 28. Il dit quoi dans Deutéronome 28, verset 12? Il dit quoi? Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Il dit, le Seigneur ouvre le ciel pour te donner son bon trésor, la pluie. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. C'est pour ça que Jésus a dit, n'ayez de dette envers personne si ce n'est la dette de l'amour. Pourquoi? Dieu ne veut pas que tu vives endetté. La seule dette que tu vas avoir, c'est la dette de l'amour. Ça veut dire, s'il ne veut pas que tu sois endetté, ça veut dire que tu dois avoir l'abondance. Comment on peut dire que Dieu peut vouloir qu'on soit pauvre? La pauvreté est un passage. La pauvreté, c'est un arrêt, comme un arrêt de bus. Mais ce n'est pas terminus, ça ne doit pas être le terminus de ta vie. On passe par là pour nous éduquer, mais on ne s'arrête pas là, on ne meurt pas là, dans ça, non! Et d'autres prennent ça comme signe de spiritualité. Mon œil. Un homme m'a dit, mon frère, toi quand il te voit là, quand on te voit, on a l'impression que les chrétiens doivent être seulement riches, quoi. Mais quand on te voit, tu es toujours bien, bien mis à l'aise, donc tout comme ça. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux enseigner? Et mais pourquoi tu veux même qu'il m'habille comme Jean-Baptiste? Jean-Baptiste s'habillait d'une certaine façon. Mais moi, je ne peux pas bien m'habiller comme Jean-Baptiste. Moi, je peux m'habiller comme Salomon. Je peux m'habiller comme Abraham. Je peux m'habiller comme David. Pourquoi il prend pour Jean-Baptiste? Dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Chacun choisit pour lui. Si tu veux, va prendre pour Élie, là. Il portait habit, avec poil de chameau, ceinture, il était bizarre comme Jean-Baptiste. Moi, je ne veux pas ça. Pourquoi tu veux que moi, il porte habit de Jean-Baptiste? Jésus m'importait habit qui n'était pas cousu. Son habit était comment? C'était tissé.
Si son habit n'est pas cousu, s'il n'y a pas coutu, c'est que c'était tissé. Oui, souvent l'évangile que les gens lisent et la façon dont les gens voient les choses, ils ne voient pas les choses bien. C'est pour cela que moi, il y a des livres, moi je ne lis pas trop beaucoup dans la Bible, hein, les livres comme Lamentation, les trucs comme ça. Pourquoi vous voulez qu'il me lamente tous les temps? Il choisit des temps, il dit ce qui m'arrange. Qui commence à questionner les livres? Pourquoi vous voulez qu'il me lamente toute ma vie? On dit qu'il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour lamenter, un temps pour danser. Mais pourquoi ça va être toujours pleurs et lamentations? Non. Il y a un temps où il me suis lamenté, il y a un temps où il doit danser. Il y a un temps où il est pleuré, il doit rire. Pourquoi on veut qu'on pleure toujours? Pourquoi on se lamente toujours? On fait bizarre, on est pitié, on dit un gros tabif à chaud. Et puis on dit non, c'est le Saint-Esprit qui fait que c'est le Saint-Esprit qui fait que comme ça. Un jour j'ai dit. Si le riche, là, il n'est pas converti, c'est à cause de Lazare. Le riche, là, il n'est pas converti à cause de Lazare. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, fais attention. Quand tu as fait de l'éternel tes délices, il faut faire attention à ce que tu désires. Fais attention. Or, la Bible nous dit que Lazare désirait les miettes qui tombaient de la table du riz. Il désirait. Or, il a oublié qu'il faisait de l'éternel ses délices. Donc, il va voir ce que son cœur désire. Et c'est pour cela que le riche lui donnait toujours les miettes. Et il avait toujours les ulcères sur son corps. Il était couvert de plaies et de lèpre. Il est mort, il est parti au ciel. Bien sûr, il est parti au ciel. Alors, d'autres disent, mais c'est Lazare qui a vécu et il est parti au ciel. Il était couronné de plaies. Tout le monde veut vivre dans l'opulence. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu et surtout les chrétiens n'acceptent pas de passer par la croix. Oui, passer par la croix pour un temps. Passer par les épreuves pour un temps. Mais on ne peut pas vivre toujours le désert tout le temps. Désert, là, c'était 40 jours. C'est qu'on fait 40 ans. Dieu n'a même pas voulu 40 ans. Il voulait juste 40 jours. L'homme aime se compliquer. Dieu ne complique pas la tâche aux hommes. C'est les hommes qui aiment compliquer les affaires. Dieu dit 40 jours, ils ont fait 40 ans. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé 40 ans? Non. Qu'est-ce qu'on voit ce qu'il s'en a dit? La Bible nous dit que le jour où Job a pardonné à ses frères, c'est ce jour-là que Dieu l'a rétabli. Ça veut dire que quelque part, Dieu attendait qu'il pardonne à ses frères d'abord. Il attendait que ses frères aillent faire une offrande d'abord avant que Dieu lui pardonne. Donc la situation peut ne pas changer en fonction de nous. Bien aimé, écoutez-moi bien. Si le pauvre Lazare allait au ciel couvert de lèpre et puis dans la pauvreté, mais sachant que Abraham est là-bas aussi, il a dit Père Abraham, partout au ciel, même le riche là, il ne pourrait même pas s'adresser à Lazare. Il dit, je préfère m'adresser à mon ami Abraham, il est riche comme moi. Père Abraham, toi il te connaît, tu es riche comme moi. Dis à Lazare de mettre son doigt dans l'eau. Et puis, Naka vient me mettre sur me donner à boire. Envoie-le. Même au ciel, il fait envoyer Lazare comme son boy. On dit, hey, ça a changé ici. Hein. Au ciel, là-bas, il était ton petit. Ici, là, il n'est pas ton petit. Hein. On dit, le plus petit du royaume, là, il est plus grand que Jean-Baptiste. Non, là, il est plus grand que toi. Hein. Il dit, ah, il ne savait pas où. Et donc, c'est un grand monsieur qui est comme ça, qui est là comme ça. Regardez, il n'a pas respecté Lazare sur la terre, même au ciel, il ne respecte pas. Frère, moi, je ne peux pas aller comme Lazare. Moi, je vais aller comme Abraham. Abraham, la Bible dit, regardez Genèse 24. La Bible dit, Abraham était riche en tout. Dieu l'avait béni en tout. Il avait de gros bétail. Il était riche et il fut rassasié de longs jours. Après un temps béni, il allait au ciel. Abraham n'est pas en enfer. Il était bien riche et puis il est au paradis. Pourquoi moi aussi, il peut aller bien là-bas? Pourquoi vous voulez qu'il aille bizarre? Pourquoi? Pour me jouer les spirituels, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où il s'en donne et dit? Ta situation changera pendant que je parle. Dieu changera ton esprit. Dieu ouvrira les portes pour toi. Dieu te bénira. Il enverra la richesse d'en haut. Il te donnera de posséder le territoire. Il te donnera de prospérer à tous égards. Il accroîtra ton patrimoine. Dieu enverra les anges qui font prospérer. Ils te béniront. Ils rempliront ton grenier au nom de Jésus. C'est Dieu que nous prions, c'est Dieu d'abondance. Ça dépend de la mentalité des chrétiens. Bien aimé. Je vais parler maintenant des trésors. C'est quoi un trésor? Le trésor, faut le définir comme un ensemble d'objets de valeur accumulés. Moi, je parle de richesse, d'opulence. Je parle de biens, de moyens, d'argent. Mais je parle aussi de trésor. Le trésor, donc, c'est un ensemble d'objets de valeur accumulés, de biens précieux. De richesse à laquelle s'attache notre cœur. Quand on parle de trésor, il s'agit d'une richesse à laquelle s'attache notre cœur.
Parce que tout bien n'est pas un trésor. Le bien devient un trésor pour nous quand notre cœur s'attache à lui à cause de sa valeur estimée. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21 va nous dire quelque chose. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Alors regardez, comprenez dans ce verset quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent. Les vers et la rouille détruisent. Non, ça c'est un verset mystérieux. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent. Et là où les voleurs pèsent et dérobent. Les vers, la rouille peut détruire si on amasse sur la terre. Les trésors peuvent percer et peuvent voler, peuvent dérober. Mais verset 21, jusqu'au verset 21, on dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent, ou ni les voleurs ne pèsent, ni les dérobent. Ça veut dire qu'il y a deux endroits où on peut emmagasiner. Il y a deux greniers. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et puis il dit, mais. Donc, il y a des greniers terrestres et il y a des greniers célestes. Où on emmagasine des richesses, des trésors. On peut emmagasiner ces richesses, ces trésors-là en haut. On peut emmagasiner en bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez pourquoi on parle de la rouille ici? Je vous parlerai un peu de la rouille. Pourquoi la rouille peut attaquer tes biens? Et puis on dit en haut là-bas, au ciel là-bas. Pourquoi on dit amassez-vous des richesses au ciel, des trésors au ciel, où la rouille ne peut pas venir? Mais sur la terre, là, quand on a des richesses ici, là, la rouille peut attaquer. La rouille peut attaquer ce qui est sur la terre. De quoi on parle quand on parle de la rouille? C'est quoi la rouille? Je vais vous expliquer un peu la rouille. Vous savez, la rouille attaque le fer. Donc ici, quand on parle certainement d'argent, certainement qu'on a exprimé sous forme de métal, en fer. La rouille attaque le fer, attaque l'acier, le fer. Et vous voyez pourquoi, comment la rouille se forme? Quand il y a le fer, ok, le fer est là, comme métal. Lorsqu'il y a l'eau, et il y a de l'oxygène. Donc, l'eau et l'oxygène vont faire que la rouille va venir attaquer, n'est-ce pas, le fer. La rouille, c'est ce qu'on appelle l'hydroxyde ferrique. Voilà, l'hydroxyde ferrique. Donc, qu'est-ce que ceux qui ont fait un peu de science, hein, de chimie, machin, ils comprennent ça. Donc, ça veut dire quoi? Que la mauvaise association à faire, c'est d'associer le fer et l'eau plus l'oxygène. Donc, c'est défendu d'associer. C'est-à-dire, il y a une loi, il y a un principe qui dit de ne pas associer. Car quand on associe, n'est-ce pas, le fer à l'eau et à l'oxygène, l'eau et l'oxygène vont faire en sorte que l'hydroxyde ferrique ou ferreux, qu'on appelle la rouille, va venir agresser. Ça va détruire la surface du fer et le fer ne sera plus utile. Le fer ne sera plus utile parce que le fer, la rouille, va venir agresser la structure dans sa composition, dans sa texture, dans sa nomenclature. Le fer ne pourra plus être utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une interdiction d'associer l'eau et l'oxygène au fer. L'interdiction de faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle une loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En clair, ça veut dire que il y a des lois qu'il ne faut pas violer de peur que ton argent sera attaqué, sera agressé et ne pourra plus te servir. Comment est-ce que c'est? L'argent ou le fer? Parce que souvent, l'argent, les pièces étaient faites quelquefois en métal. Donc, tu avais dit quoi? Tu avais dit qu'il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles dans le monde spirituel. Quand tu les violes, ton argent que Dieu a prévu pour toi, tu ne peux plus l'utiliser. Sur la terre des hommes. My God. Et ce sont ces principes-là dont nous allons parler. Et comment la rouille, la terre, les vers ne pourront pas attaquer tes biens. De quoi on parle? Jésus parle d'un langage ici spirituel. Il parle d'un langage hautement dangereux et spirituellement dangereux. J'expliquerai ces choses dans la suite du séminaire. Comment la rouille peut attaquer tes finances? Comment la rouille peut attaquer ton âme? Comment la rouille se traduit spirituellement? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à prospérer? Quelque chose qu'on t'a donné, mais tu ne peux pas l'utiliser. C'est comme si la rouille avait attaqué. Retenez par ce verset qu'il y a deux niveaux d'accumulation des richesses en bas et en haut. J'en parlerai tout à l'heure.
bien-aimés dans le Seigneur. Les trésors, donc, sont des trésors spirituels qu'on peut avoir en haut dans les lieux célestes. Et il y a des trésors qu'on peut avoir dans les lieux terrestres, en bas. Ne vous amassez pas les trésors en bas, mais amassez-les en haut. Donc, il y en a en bas, il y en a en haut. Est-ce qu'il y a une commence à chanter? Je vais doucement pour que vous compreniez. J'espère que vous me suivez. Donc, regardez, on peut appeler ces choses-là, souvent dans la Bible, on désigne ça par l'or, par l'argent, mais ça désigne toujours les mêmes richesses, là, l'or et l'argent. Et Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Silver and gold are mine. Silver and gold are mine. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est Dieu qui a dit ça, l'or et l'argent, ça lui appartient. Où est-ce que... Comment se fait-il que le diable prend ça? C'est lui qui est le voleur, on l'appelle le voleur, il vole. C'est pas à lui, ça lui appartient pas, ça n'appartient pas au diable, lui c'est un voleur. Et un autre thème que je vais définir, c'est la monnaie. Parce que c'est important de comprendre l'aspect de monnaie quand on parle de richesse. C'est quoi la monnaie? C'est une définition un peu vieille, un peu caduque, avec quelques insuffisances qui a été un peu corrigée par la façon, je dirais, beaucoup plus contemporaine de voir l'argent. C'est la définition d'Aristote. Aristote dit ceci. Ce grand philosophe savant disait ceci. Aristote dit ceci. Il dit que l'argent, la monnaie, c'est une unité de compte. Il définit la monnaie comme étant une unité de compte. Une unité à partir de laquelle on peut tenir un compte, faire un compte ou gérer un compte, demander des comptes. Unité de compte, première chose. Deuxième chose, il définit la monnaie comme étant une réserve de valeur. Une réserve de valeur, parce que celui qui a la monnaie, le CFA est une réserve de valeur, l'euro est une réserve de valeur, le dollar est une réserve de valeur. Et il définit aussi la monnaie comme étant un intermédiaire d'échange. Parce qu'effectivement, la monnaie permet de faire des échanges. On peut bien le voir. Et puis, alors, il définit encore sur un troisième point, la monnaie comme étant un instrument de paiement, n'est-ce pas, en vigueur dans un lieu ou en une époque. Vous voyez, c'est un instrument de paiement en vigueur en un lieu et en une époque. Parce que vous savez que la monnaie varie d'un pays à un autre, la monnaie change. D'un lieu à un autre lieu, la monnaie change. D'une époque à une autre époque, ça change. Parce qu'avant, par exemple, on utilisait les sicles ou les deniers. Hein, on a utilisé, par exemple, 1100 sicles pour pouvoir corrompre Dalila, pour pouvoir donner le secret de Samson. C'était 1100 sicles que chacun des Philistins lui a donné. Et le denier, on l'a vu dans la parabole, n'est-ce pas, du serviteur impitoyable. On a vu utiliser les deniers. Un devait 100 deniers, l'autre devait 10 000 talents, on l'a expliqué la dernière fois, et ou bien les drachmes, la parabole du drachme perdu, n'est-ce pas, ou bien les starters, les monnaies changent, le CFA, l'euro aujourd'hui, dans le monde courant, ça change. Mais donc, c'est important de comprendre, parce que du point de vue de la loi, ça définit ce qu'on appelle un cours de la monnaie, ça peut être un cours légal de la monnaie, on parle de cours légal, c'est pour ça qu'il peut y avoir fluctuation, n'est-ce pas, de la monnaie, de ce qu'on peut trouver sur la terre, parce que la monnaie étant un moyen par lequel on peut opérer des échanges. Hein? Échanges par lesquels on peut avoir des biens, acheter une maison, avoir une voiture, avoir tout ça. Ça fait partie des richesses. C'est pour ça que je parle de la monnaie. C'est important de comprendre cela. Et donc, en fonction de la loi, ça a un coût légal considéré par les hommes. Et en fonction de l'usage, les agents économiques, n'est-ce pas, vont accepter en règlement d'un achat ou d'une prestation ou d'une dette. Donc, c'est ce que les agents économiques vont accepter, n'est-ce pas, pour un règlement d'un achat, par exemple, pour régler, n'est-ce pas, conclure une affaire d'achat ou bien une prestation, quelqu'un qui a fait une prestation, on lui donne quelque chose, ou alors une dette pour payer une dette. C'est important de comprendre ces choses parce que dans la suite, nous allons entrer dans les détails pour comprendre que la Bible n'est pas du tout dépassée. C'est le monde qui s'adapte à la parole de Dieu, mais pas l'inverse. Regardez. Je vous dis. Alors, la monnaie, donc, est censée remplir trois fonctions. N'est-ce pas? Principales. La monnaie est censée remplir trois fonctions principales. OK? La monnaie est censée remplir trois fonctions principales. La première fonction,
On va dire fonction 1. La première fonction que la monnaie va remplir, c'est que la monnaie est un intermédiaire d'échange. Je reviendrai bien plus là-dessus. Un intermédiaire d'échange. Un intermédiaire d'échange. La monnaie est un intermédiaire d'échange. Comprendre ces choses, parce qu'après on va parler d'échange dans le spirituel. C'est pour ça que j'explique ces choses pour qu'on comprenne. La monnaie donc est un intermédiaire d'échange qui permet de faire des transferts, qui permet de faire des transactions. Donc, quand on parle d'intermédiaire d'échange, on parle de capacité, n'est-ce pas, d'éteindre les dettes. Capacité d'éteindre les dettes. Pourquoi il dit le terme d'éteindre les dettes? Pourquoi capacité d'éteindre les dettes? Pourquoi il dit éteindre? Parce que quand quelqu'un est endetté, il dit c'est chaud sur moi. Voilà, la dette est mettre dans charge, frère. C'est pour ça qu'il dit la monnaie, c'est ce qui donne la capacité d'éteindre la dette. Il dit éteindre la dette parce qu'elle est très enflammée, la dette. Et non seulement la dette, mais les obligations. Oui, les obligations, notamment en matière fiscale. Rappelez-vous les Écritures, dans Matthieu chapitre 18, concernant ce serviteur impitoyable, la Bible nous dit le royaume des cieux est comparable, n'est-ce pas, à un roi qui devait faire rendre compte à ses serviteurs. Il a pris l'un qui devait 10 000 talents. Donc, il devait payer ses dettes. Donc, ça permet, c'est un moyen d'échange qui permet de payer les dettes. On le voit dans la parabole, n'est-ce pas, du serviteur impitoyable, qui permet aussi, n'est-ce pas, de régler les obligations, qui permet d'éteindre les dettes et les obligations, notamment en matière fiscale. Quand on parle de fiscalité, rappelez-vous qu'un jour, les gens ont demandé à Jésus si on devait payer les impôts ou pas. Et Jésus a demandé une pièce d'argent, il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, César, c'est la partie fiscale. Ça veut dire qu'on doit s'acquitter de ses dettes fiscales. Donc, en termes de fiscalité, c'est très, très, très important. Donc, Jésus n'est pas en marge, l'évangile n'est pas du tout en marge de notre société. Donc, dit la parole de Dieu est dépassée, elle n'est pas du tout dépassée. C'est le monde qui calque ses standards à partir de la parole de Dieu. Nous devons seulement nous demeurer dans la parole de Dieu. On sera plus sage qu'eux, on avancera plus que les gens du monde. Mais c'est parce que nous n'avons rien compris, nous devons comprendre que Dieu est le Dieu de la science. Deuxième chose, à part le fait que la monnaie soit un intermédiaire d'échange, la monnaie est une réserve de valeur. La monnaie est une réserve de valeur. Rappelez-vous dans la parabole que Jésus avait donnée, un homme avait amassé beaucoup d'argent dans son grenier et puis dit, maintenant ça va, ça y est, ton serviteur peut se reposer en paix. Il a dit, insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera réclamée. Malheur à celui qui est riche pour lui-même, mais plutôt qui est riche pour le royaume. Malheur à celui qui est riche pour lui-même, mais plutôt heureux soit celui qui est riche pour le royaume. Donc, ça veut dire quoi? Quand il a amassé l'argent, la réserve qu'il avait faite lui a donné de la sécurité, lui a donné de la valeur. Parce que c'est ça, les gens, ils croiront en toi, ils te donneront de la valeur, du crédit dans le monde. Quand tu auras de l'argent. C'est pour ça que la Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Quel que soit tout ce qu'il va faire dans l'assemblée, quand il parle, on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que sa sagesse est méprisée. Et il est pauvre, on dit sa sagesse est méprisée. Il a la sagesse, mais elle est méprisée. Bien-aimé, il y a des niveaux où tu ne peux pas rentrer. C'est pour ça que souvent, quand on va dans certaines soirées, on dit, ceux qui n'ont pas les tuxedos, les certaines tenues, tu ne peux pas rentrer là-bas. Hein? C'est pour ça que la Bible nous dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Jean-Baptiste, ou bien qu'est-ce que vous allez voir? Un roseau, ou bien un prince bien habillé, quelqu'un qui est bien dans les palais et tout ça. On dit Jean-Baptiste, lui, il s'habille comme ça, là, il est dans le désert. Mais qu'est-il venu chercher dans le palais? C'est-à-dire Jean-Baptiste est venu là où départ qu'on a coupé sa tête. Lui-même dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Reste dans le désert, baptise les gens de Judée, porte tes habits, fais de poids de chevaux, mange ta nourriture, ton lait, tout ça, attaque ta ceinture de corde bizarre là. Reste là-bas. Tu viens dans le palais des rois pour faire quoi? Là-bas, on s'habille bien. Il y a des gens qui ne sont pas là où ils doivent être. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Là où le roi est, c'est bien ordonné. Les gens sont bien mis, ils mettent parfum, tout ça. Quand il était dans le trou, on doit attraper, le couper sa tête vite. C'est pas sa place ici. Il y a des niveaux où tu ne peux pas entrer. C'est très important. La Bible nous dit que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Les hommes regardent ce qui frappe à l'œil. Ils sont pas l'éternel pour voir ton cœur. Parce qu'on connaît pas ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Mais il y a l'aspect extérieur, c'est important. L'aspect extérieur attire. Ce qui retient, c'est ce qui est intérieur. Mais avant de voir ce qui est à l'intérieur, là, pour comprendre, là, il faut qu'on soit attiré d'abord. Donc, souvent, c'est les choses importantes qui sont pas souvent indispensables dans le temps où nous sommes, mais qui sont importantes et très importantes. La réserve de valeur, quoique ce n'est pas vraiment ça la valeur de l'homme, mais ça donne à l'homme l'idée. C'est pour ça que la Bible nous dit, le riche, il a sa richesse comme une tour. Et troisième aspect que doit remplir une monnaie,
à part la réserve de valeur et à part le fait d'être intermédiaire de moyens d'échange, le troisième point, c'est d'être unité de compte. Unité de compte, vous vous rappelez très bien que ceux qui font des calculs économiques, par exemple, en ont besoin. C'est très important parce que en fonction de la monnaie que quelqu'un a, on peut donc établir, n'est-ce pas, des calculs, faire des calculs économiques. C'est à partir de ça qu'on peut définir, par exemple, si un pays est pauvre, un pays est riche en fonction de sa monnaie, en fonction de la quantité, de ce qu'il dispose, de ce dont il dispose, etc. Et puis, vous savez bien, dans la parabole du fils prodigue, ça permet de faire des prévisions. Voilà. Donc, la monnaie a un aspect prévisionnel. La monnaie a un aspect prévisionnel parce que la Bible dit, lorsque le fils prodigue était parti quelque part, il avait gaspillé tout son argent avec les prostituées et la famine vint. La famille suivait parce qu'il avait gaspillé tout ce qu'il avait. Il y a eu une famine à cause du fait qu'il avait gaspillé tous ses biens et il y a eu la famine. Donc, en fonction de la monnaie, en fonction de l'économie d'un pays, on peut faire des statistiques pour prévoir si dans ce pays, il y aura la famine ou pas. C'est important, non? C'est un présage. C'est un présage. Ça permet de définir un paysage, n'est-ce pas? Un paysage économique, etc. C'est très important. Et puis, ça donne une idée de comptabilité parce qu'on fait les comptes à partir de ça. C'est à partir de la monnaie qu'on peut faire une comptabilité. Pour savoir combien d'avoir tu as, etc., etc. En fonction de ce que tu as fait rentrer, on peut savoir ce que tu as acquis. Tout simplement, c'est une question de référencer par rapport à la valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Matthieu 18, verset 23. On dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut faire rendre compte. Et alors, à la fin de l'affaire, on a vu qu'il a pardonné, il a acquitté, il a libéré. Parce que quelque part, ça tenait captif cet homme qui devait. Bien entendu, les talents ici ne sont pas de l'argent matériel. Hein, dans la parabole, au sens pur de cette parabole, ce n'est pas ça. Mais je vous donne une image pour vous faire comprendre, sinon on parle de miséricorde. Vous avez bien compris. Alors, je reviens sur les échanges. L'argent étant un moyen d'échange. L'argent étant un moyen d'échange, l'argent donc va permettre, n'est-ce pas, d'établir une certaine vie. L'argent va établir une certaine vie parce que là où on parle d'échange, il y a la vie. Vous voyez, quand il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie. Écoutez-moi très bien. Quand il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie. Le bébé qui est dans le ventre de sa mère, il est en vie parce qu'il va échanger, n'est-ce pas? Il va faire sortir le CO2, il va prendre l'oxygène du sang de la maman, etc. Ces échanges gazeux qu'il y aura là, n'est-ce pas? C'est ça qui va définir sa vie. Quand il va sortir, la preuve qu'il est en vie, il y aura de l'oxygène qui entre du poumon, de l'air qui entre dans ses poumons et qui ressort. En respirant, c'est la preuve qu'il est en vie. Donc, la vie est démontrée par le mouvement de l'air ou bien le mouvement de ses pieds, car la vie est démontrée par le mouvement. Mais le souffle, c'est l'esprit. Là où il y a l'échange, là où il y a le mouvement, là où il y a la vie, il y a forcément un esprit. Écoutez-moi très bien. Si l'argent permet de faire des mouvements, permet de faire des échanges, induit une certaine vie, c'est que quelque part, il y a un esprit, parce que là où il y a vie, il y a esprit. C'est pour cela que, faut pas voir l'argent en tant qu'entité matérielle seulement. Il y a une vie qui est rattachée à l'argent. Il y a un esprit. Oh, Makézé Broussa. Je suis en train de rentrer dans mon message maintenant. Il y a un esprit qui est attaché à l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. Si on ne comprend pas cet aspect spirituel de l'argent, alors on aura des problèmes. Parce qu'il y a toujours un esprit qui est rattaché à l'argent. Il y a un esprit qui est rattaché à l'argent. Je le répète, il y a un esprit qui est derrière, qui soutient l'argent, qui sous-tend l'argent. Alors, il faut savoir c'est quel esprit qui est là. Il y a un esprit derrière toute richesse. Il faut savoir quel est l'esprit qui soutient la richesse. C'est lequel? C'est important de comprendre. J'ai dit qu'il y a un aspect physique. Parce qu'il dit, amassez-vous plutôt des richesses dans les cieux. Quand il parle des cieux sont spirituels. Donc, il y a des richesses qui sont dans les cieux, dans la dimension spirituelle. Donc, il y a une dimension spirituelle des trésors, une dimension spirituelle de l'argent. Oh my God! Le problème de l'église, c'est que les chrétiens voient l'argent comme étant un sujet trop matériel, étant quelque chose de trop matériel. C'est pour cela qu'ils ont du mal à en parler, à aborder ce sujet comme étant un sujet spirituel. Mais c'est bien un sujet spirituel, je vous démontrerai ça tout à l'heure. C'est un sujet bien spirituel, bien plus spirituel que matériel, l'argent. Oh my God, my God, my God. Oh, est-ce que quelqu'un est éclairé ce soir? Est-ce que quelqu'un est éclairé ce soir? Il a dit, « À
Amassez-vous des trésors plutôt dans le ciel. Ne vous amassez pas des trésors à terre. Il y a des trésors qui sont célestes et il y a des trésors qui sont terrestres. Quand on parle de trésors célestes, les trésors dans les cieux, il y a une dimension spirituelle. Bien-aimé, l'argent matériel que tu vois, les biens matériels que tu vois cachent derrière un esprit. Cet esprit, il peut être sous deux formes. Il peut se présenter sous deux formes. Un, cet esprit peut être Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Soit cet esprit peut être Mammon, c'est-à-dire l'esprit de, c'est-à-dire le diable. Ce qu'on appelle Mammon, c'est un esprit qui contrôle l'argent. Regardez Matthieu chapitre 6. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que dans Matthieu chapitre 6, vous allez bien voir, il le dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Matthieu 6, 24, 25. On aimera l'un, on haïra l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu qui est esprit, on le compare. On ne peut pas avoir pour maître Dieu et Mammon. On ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Dieu est esprit, Mammon aussi est esprit. Quand il parle de Mammon, c'est l'esprit qui est derrière l'argent. L'esprit qui est derrière les trésors du monde. Parce qu'il dit, amassez-vous plutôt de l'argent dans les greniers en haut, dans les lieux célestes. N'amassez pas dans la terre. Quand on parle de terre, on parle de ténèbres. On parle du monde des ténèbres, là où le diable règne. Il y a des personnes qui amassent de l'argent là où le diable règne. Là où la mythe peut dévorer, où le diable peut détruire dans les ténèbres sur la terre. Et il y a maintenant qui amassent de l'argent dans les lieux célestes où l'esprit de Dieu, Dieu contrôle les richesses d'en haut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent que tu as, c'est un moyen d'échange. Ça veut dire que ça autorise un mouvement. Donc, il y a un esprit derrière. La question, c'est de savoir quel est l'esprit qui contrôle l'argent que tu as. Soit c'est le diable, c'est Mammon, soit c'est Dieu qui contrôle ton argent. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Comment Dieu peut contrôler ton argent? Oh boy. Que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Comment Dieu peut contrôler ton argent? Dieu, le Saint-Esprit peut contrôler ton argent si ton argent est consacré à Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Comment Dieu contrôle ton argent? Comment Dieu contrôle ta richesse? Dieu contrôle ton argent. Dieu contrôle ta richesse. Lorsque ta richesse, ton argent est consacré à Dieu. Car Jésus a dit ceci, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Lorsque tes biens sont consacrés à Dieu, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de tes biens. Lorsque ton argent est consacré à Dieu, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de tes biens. Lorsque ton argent n'est pas consacré à Dieu, lorsque ta richesse n'est pas consacrée à Dieu, automatiquement, Dieu n'étant pas là, c'est les ténèbres qui ont le contrôle, c'est le diable, c'est Mammon qui contrôle tes biens. Il n'y a pas d'intermédiaire dans le monde spirituel. Ou bien c'est la lumière, ou bien c'est les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est deux choses. C'est l'absence de lumière ou l'absence de manifestation de lumière. Lorsqu'au commencement, la lumière ne s'était pas manifestée, avant le jour 1, il y avait les ténèbres qui étaient autour de Dieu. Mais en Dieu, il y avait la lumière. Il y avait comme un voile qui empêchait la lumière de se manifester autour. C'était les ténèbres. Quand il a dit que la lumière soit la lumière, les ténèbres ont fui. C'est deux choses. Si Dieu n'a pas consacré ton argent, que l'Esprit de Dieu n'est pas venu, c'est le diable qui contrôle ta richesse. C'est le diable qui contrôle tes biens si tes biens ne sont pas consacrés à Dieu. Si ton argent n'est pas consacré à Dieu, c'est le diable qui le contrôle. C'est Mammon qui le contrôle. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh, j'ai dit que l'Esprit qui contrôle la richesse, moi, je suis en train de dire quelque chose de très très fort. Écoute-moi très bien. L'esprit qui contrôle ta richesse, c'est l'esprit qui sera à la base des transactions de ta richesse. Oh my God, my God, my God. L'esprit qui contrôle ta richesse, c'est celui qui est là. C'est cet esprit qui va ordonner les transactions de tes richesses. Parce que la monnaie, c'est un moyen de change. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui autorise
la direction dans laquelle la monnaie doit partir, l'argent doit partir, les richesses doivent partir, l'or doit partir. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui contrôle tes biens, parce que tes biens sont consacrés, c'est Dieu qui va prendre la destinée de ta richesse. C'est Dieu qui va prendre le contrôle, la destinée de tes biens. Mais si ce n'est pas lui, c'est que c'est Mammon, c'est le diable qui contrôle tes richesses. Alors, il va t'imposer une destinée à ta richesse. C'est pour cela que dans le livre de Job, lorsque Dieu a dit, je retire ma main de la vie de Job, je retire ma main des biens de Job, automatiquement, le diable a eu la permission d'agresser les biens de Job. Et il a fait des biens de Job ce qu'il voulait. Il a ordonné la destinée des biens de Job. Il a ordonné la destinée de la santé de Job. Il a ordonné la destinée des enfants de Job. L'esprit qui contrôle ta richesse, c'est celui qui ordonne les transactions de ta vie. Si c'est le Saint-Esprit, il ordonnera les transactions de tes biens. Si c'est le diable, c'est lui qui contrôlera. Oh my God! Deuxième chose, l'esprit devant lequel tu te prosternes, c'est celui qui te donne ses biens. Michael Macabrosé, Manze Kehelebocha. Écoute-moi très bien. L'esprit devant lequel tu te prosternes, l'esprit devant lequel tu te prosternes, l'esprit auquel tu fais allégeance, c'est celui-là qui te donnera sa richesse. C'est celui-là qui contrôlera aussi ta richesse. Regardez dans le désert. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6. La Bible nous dit que le diable a élevé Jésus sur un lieu élevé. Là. Il a pris pour aller sur un lieu dans les hauteurs. Et quand il a pris Jésus pour aller sur un lieu élevé, la Bible nous dit quoi? Il a dit à Jésus ceci. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes, leurs richesses, leurs gloires, je te donne, pardon, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 5 à 6, pardon, je rectifie. Luc chapitre 4, verset 5 à 6. Il dit, si tu peux te prosterner devant moi, tous ces royaumes, leurs richesses et leurs gloires, je te donne, car j'ai le contrôle de ces choses, je peux te donner. Si Jésus était prosterné devant cet esprit-là, devant le diable, c'est lui qui allait donner les biens à Jésus et c'est lui qui allait contrôler les biens de Jésus. Avant que le diable ne te donne ses biens, il faut que tu te prosternes devant lui d'abord. Tu fasses allégeance à lui d'abord. Que tu fasses alliance avec lui d'abord. Quand tu as fini de faire alliance avec lui d'abord, maintenant il peut te donner ses biens et il va contrôler les biens qu'il te donne. De la même manière, quand tu te prosternes devant Dieu, tu fais alliance avec Dieu en respectant les principes de Dieu. Dieu va te donner sa richesse et Dieu va contrôler ta richesse. Quel moment c'est que j'en ai dit? C'est pour cela que dans les sectes et les sociétés ésotériques, on leur demande d'abord de faire alliance, de renoncer à Dieu avant de se mettre sous l'autorité du diable pour que lui puisse les enrichir. Donc n'envie pas ce qu'ils ont, parce que tu ne sais pas devant quoi ils se sont prosternés pour avoir ça. Quel moment c'est que j'en ai dit? Parce que l'argent a un aspect physique, matériel. Ce que tu vois, les biens des banques, c'est physique. Mais il y a un esprit derrière. Watch this. Let me explain a little bit so that you can understand what I'm saying. J'ai expliqué un peu pour que tu comprennes ce que c'est en réalité. Écoute-moi très bien. Does it make sense for you? Regardez. L'argent a un aspect matériel et un aspect spirituel. Il y a un esprit que tu ne vois pas qui contrôle l'argent. Comment la mort vient? Je vais expliquer comment la pauvreté vient. Écoute-moi très bien. Je vais expliquer comment la pauvreté vient. Mais pour comprendre comment la pauvreté vient dans la vie de quelqu'un qui était riche, je vais t'expliquer comment la mort vient. Comment la mort vient? Quelqu'un est en vie lorsque l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu est avec lui. Parce qu'au commencement, il y avait la poussière, Dieu a façonné la poussière, puis il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Donc, la vie de l'homme est venue par le souffle de Dieu. Eh bien, la mort va venir dans le sens inverse. Lorsque le souffle de Dieu, qui est l'esprit, quitte une personne, c'est là que la personne meurt. Parce que l'homme égale à quoi? Égale à argile plus souffle de Dieu. Donc, la mort, c'est quoi? C'est argile moins souffle de Dieu. On n'est pas à la mort. Donc, c'est quoi on appelle la mort? La séparation de l'homme, la matière avec l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et la matière qui est là, la poussière qui est là va finir par pourrir, décomposition va disparaître.
C'est la même chose, c'est de la même manière que l'argent disparaît. Comment l'argent fait pour disparaître pour que la pauvreté vienne? L'argent matériel que tu vois, il y a un esprit qui est derrière. C'est cet esprit-là, ce souffle qui est derrière l'argent, qui anime l'argent. Ce souffle peut être l'esprit de Dieu qui anime ton argent matériel, tes biens que tu as dans ta maison ou bien l'argent que tu as dans ton compte. Le souffle qui anime cet argent, ça peut être Dieu, le Saint-Esprit, ou bien ça peut être le diable, maman. Si c'est Dieu ou c'est maman, à quel moment ton argent disparaît? Ça disparaît quand le souffle qui est derrière là, quand le souffle qui est derrière là quitte, la mort vient quand le souffle quitte. Quand l'Esprit de Dieu qui était sur ton argent quitte, la séparation c'est la mort. Et l'argent qui est là-bas finit par disparaître d'une façon ou d'une autre. Soit par la maladie, fiou, ça s'en va. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Soit par la maladie, ça s'en va. Soit par des dépenses imprévues, ça s'en va. Soit par des problèmes que tu n'as pas prévu, on te vole. C'est ça, il parle des voleurs qui viennent percer et qui dérobent. Et tu es là comme ça, ton argent part. Tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent part. C'est ça qu'on appelle la mort de l'argent. C'est parce que l'esprit qui contrôle l'a quitté. Parce qu'il y a quelque chose que tu as fait, un interdit que tu as violé qui fait que l'esprit qui contrôle tes richesses n'étant pas d'accord est parti. Si c'est Dieu, le Saint-Esprit a des principes selon lesquels quand tu marches en accord avec ses principes, il va toujours contrôler tes richesses et il va toujours ordonner les transactions, il va toujours t'enrichir et te bénir. Quand tu commences à ne plus respecter les principes de l'esprit qui contrôle ta richesse, c'est-à-dire dans le cadre d'espèce, le Saint-Esprit va finir par quitter ta richesse, ça va, ton argent va perdre la consécration et ça va finir par disparaître. La pauvreté va se manifester dans ta vie parce que le diable va prendre le contrôle et il va commencer à te combattre. Est-ce que quelqu'un va suivre ça? Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit a quitté, lorsque Dieu a quitté Job, le diable est venu automatiquement, il a commencé à le rendre pauvre, détruire tous ses biens, tuer ses enfants, détruire ses serviteurs, détruire ses biens, lui donner la lèpre en la caisse. C'est comme ça que les gens deviennent pauvres. Quelqu'un comprend? L'esprit qui contrôle tes biens, c'est celui qui ordonne les transactions des biens et c'est à lui que tu dois faire allégeance. Aussi longtemps que tu te prosternes devant lui, comme il a demandé à Jésus de le faire dans le désert, aussi longtemps que tu es soumis à ses lois, il va continuer de te donner le royaume, les richesses et la gloire. Mais si tu romps cette alliance-là, cet esprit part, tu perds ta consécration, il ne te contrôle plus, il va commencer à te combattre. That's what happened here. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Regardez. Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5 dit quoi? Proverbe dit, n'applique pas ton cœur à t'enrichir, n'y applique même pas, ton intelligence, il ne faut même pas appliquer. On dit, à peine tu jettes un coup d'œil que l'argent se fait des ailes. L'argent se fait des ailes et vole par le ciel, vers le ciel. L'argent était où? La richesse était où? Et puis ça vole par aller vers le ciel. C'est que c'était en bas. C'est de ça que je parlais. Parce qu'il y a une dimension terrestre, une dimension basse de l'argent et une dimension céleste, une dimension haute de l'argent. Et quand on dit l'argent se fait des ailes ou la richesse se fait des ailes pour voler, pour aller, c'est quoi on veut dire? Est-ce que vous avez vu l'argent qui a elle? Depuis quand tu as vu richesse qui a elle? Quand vous avez vu que l'argent, CFA ou dollar ou euro, là, ça a elle pour voler? Non. On parle de l'esprit, quand on parle des ailes, quand on parle des ailes, ici on parle de l'esprit. Vous savez que les anges ont des ailes. Les anges déchus ont des ailes, les démons ont des ailes. Mammon, c'est un esprit, il est comme une ange. C'est pour ça que vous voyez qu'il vole. Apocalypse chapitre 12, il a un dragon, il a des ailes, il vole. Donc on parle de cet esprit-là qui a la capacité de voler pour aller au ciel, qui a la capacité de partir. Donc comme le Saint-Esprit aussi, c'est comme une colombe. On dit descendant sous la forme d'une colombe. C'est comme un oiseau. Peut avoir des ailes pour voler. On parle de l'argent, elle est. L'esprit est symbolisé, c'est par des ailes. On parle de la dimension spirituelle de l'argent. Écoute-moi très bien. Quand la dimension spirituelle de l'argent, l'esprit qui contrôle l'argent, vole, s'en va, automatiquement, tu vas voir que ta richesse physique, matérielle va commencer à disparaître. C'est le principe de la mort. C'est-à-dire la pauvreté, la mort financière ou la pauvreté. Écoutez-moi très bien. Dans ce verset, il y a deux choses que je vais expliquer. L'aspect spirituel de l'argent. Deuxième chose de l'argent, de la richesse. La deuxième chose, les deux dimensions où l'argent peut être, en haut et en bas. L'aspect spirituel de l'argent, je vous ai déjà expliqué. L'argent en haut ou l'argent en bas. Donc, où on peut prendre l'argent? Écoute-moi très bien. Watch this. Et où on peut prendre cet oiseau-là, celui qu'on appelle l'argent, elle est. L'argent se fait des ailes. Le même argent que tu en dis, se fait des ailes. Donc, il prend l'aspect d'un ange ou un démon, il part. Selon celui qui va contrôler tes richesses, c'est l'esprit du diable,
c'est le démon qui contrôle. Si c'est l'Esprit de Dieu, ça va comme un oiseau. Écoutez-moi très bien. On peut donc prendre l'argent en bas, tout comme on peut prendre l'argent en haut. Proverbe chapitre 1, verset 17. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, ce n'est que l'introduction. Nous allons entrer dans les grands mystères à partir de demain. Je vais expliquer quelque chose de très profond. Est-ce que ça te fait du bien ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça vous fait du bien ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ou pas? Proverbe dit quoi? Proverbe chapitre 1, verset 17. Proverbe chapitre 1, verset 17 dit, c'est en vain qu'on jette le filet sous les yeux de tout ce qui a des yeux. Des yeux, sous les yeux de tout ce qui a des yeux, tout ce qui est ailé qui a des yeux. Oui. C'est en vain qu'on tend des pièges sous les yeux de tout ce qui a des ailes, la jante ailée. Il dit en clair que quand un oiseau en bas là, toi-même tu fais un piège devant lui, tu as creusé trou jusqu'à, tu dis n'a qu'à bien rentrer dedans. L'oiseau là, il voit ça. Il ne va pas rentrer dedans. Et la Bible dit, il va s'envoler, il va partir dans les hauteurs. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est un langage de Salomon, un langage mystérieux de Salomon. Qu'est-ce de quoi est-il en train de parler? Il parle de l'oiseau. Tu veux prendre un oiseau, il est à terre, il te regarde, et puis tu fais piège. Et puis tu dis, petit oiseau, viens ici, tu as tombé dans mon piège, viens entrer dans mon piège, viens entrer dans mon piège, et puis tu l'attends. Il ne va jamais venir. Or, la Bible dit, l'argent se fait des ailes comme un oiseau. On dit tout ce qui a des ailes. C'est en vain qu'on tend des pierres devant tout ce qui a des ailes, y compris l'argent. L'argent a des ailes, l'argent se fait des ailes. Donc, quand tu commences à faire des stratégies, écoutez-moi très bien, des stratégies qui ne sont pas cachées, qui ne sont pas voilées à l'esprit de l'argent, l'argent n'entrera pas dedans. Écoute-moi très bien. C'est pour cela qu'il y a des plans que tu fais pour avoir l'argent. Il faut fermer ta bouche d'abord. Si tu commences à trop parler, selon Proverbe chapitre 1, verset 17, il dit, voici ma stratégie pour avoir l'argent. Voici ma stratégie pour avoir l'argent. Je serai riche en faisant ça. Je serai riche en faisant ça. Voici, le piège parle d'une stratégie. Le piège parle de stratégie pour prendre. Tu parles de ma stratégie, comment faire pour prendre? Comment faire ça? Tu montres ça. L'argent a un esprit. L'argent a un esprit. Maman, c'est l'esprit. Quand il sait que tu veux le prendre, si c'est pour faire des choses, pour glorifier Dieu, si celui qui est derrière là, c'est l'esprit du diable, il ne va pas venir dans l'oiseau. Il va faire prêt, il s'en va. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? L'argent se fait des ailes. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Première chose. Deuxième chose, du point de vue positionnel, quand il vole, il va au-dessus de la hauteur, sur les arbres, ou sur la montagne, ou en haut. Ça veut dire qu'on peut le prendre en bas comme on peut le prendre en haut. Oh my God. Oh boy. Oh boy. Do you understand what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que j'en ai dit? On peut prendre l'argent en bas, on peut le prendre en haut. Ça veut dire, je parle de l'esprit. Hein. Quand tu as pris l'esprit, quand tu as contrôlé l'esprit, automatiquement, la matière va suivre. De la même manière que quand l'esprit s'en va, le matériel disparaît. De la même manière, quand l'esprit vient, le matériel va suivre. Oh boy. Oh boy. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit de l'argent. Il y a un esprit qui est derrière l'argent. C'est ça. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la force. C'est avec la force de Dieu qu'on peut acquérir les richesses. Il y a un esprit derrière les richesses. Une force. Un esprit qui permet d'acquérir les richesses. C'est pour ça qu'avec la force, on peut devenir riche. La force de Dieu. L'esprit de Dieu. Conduit à la richesse et qui commence qui s'en est. L'esprit qui est derrière l'argent, là, il est comme un oiseau. Vous voyez? Est-ce que tu es là, tu veux attraper un oiseau, tu fais du bruit. Tu fais beaucoup de bruit, tu vas l'attraper, l'oiseau va fuir. C'est pour ça que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent est comme un oiseau. Est-ce que vous comprenez ce que ça en est? L'argent est comme un oiseau. L'argent n'aime pas le bruit. Oh my God. Écoute-moi très bien. L'argent n'aime pas quoi? Le bruit. Si tu veux être riche, évite le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. C'est comme un oiseau. Il n'y a pas un oiseau qui est là. Tu vas faire du bruit et tu vas l'attraper. C'est pour ça que les chrétiens, ils sont souvent pauvres. Parce que dès qu'ils commencent à avoir un peu, ils vont montrer à tout le monde qu'ils ont commencé à faire du bruit. Ils vont commencer à faire boucan. Il y a les maîtres du boucan. Quand ils font la vie, ils vont pas loin. L'argent n'aime pas le bruit. Ceux qui en ont, ils sont discrets. Mais quand tu le vois passer, là, toi-même, tu sais qu'il en a. Il n'a pas oublié de faire du bruit. L'argent ne fait pas du bruit. L'oiseau ne supporte pas le bruit. L'argent ne supporte pas le bruit. L'oiseau ne supporte pas le bruit. L'argent se fait des ailes comme un oiseau. Tout oiseau ne supporte pas le bruit. Quand tu veux faire le bruit pour l'attraper, il fuit.
Quand tu as l'argent, un peu souvent, tu fais beaucoup de bruit. C'est pour ça que quand tu veux l'attraper, là, tu fuis. Parce que ton bruit, là, ça le dérange. L'esprit de l'argent part loin de toi. Quand tu fais beaucoup de bruit, l'esprit de l'argent part loin de toi. Tu ne peux pas avoir. C'est pour ça que tu as besoin d'humilité et de calme. D'humilité et de calme. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand tu vas faire un don pour faire la charité à un pauvre, ce que ta main droite donne, là, que ta main gauche ignore. Il ne faut pas prendre trompette pour souffler. Pom, 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 pom. C'est moi qui ai donné au pauvre qui est là. Pom, 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 pom. C'est pour ça que c'est un peu dérangeant de savoir un peu quelquefois que les gens qui font des dons dans les charités, ils collectent, ils font des films vidéo, ils montent partout et puis ils disent, aidez-nous, donnez de l'argent, voilà ce que nous faisons, faire la charité. Non, c'est Dieu qui te récompense. Dieu s'arrange à ce que ce soit un pauvre, de telle sorte que quand tu lui donnes dans la charité, là, il n'a pas de moyen de te rembourser. Comme dit le proverbe, de telle sorte que ce que tu as donné au pauvre, là, c'est comme si tu as prêté à Dieu et puis Dieu va te le rendre parce que le pauvre, il ne peut pas te donner. Dieu a fait qu'il soit pauvre, il ne peut pas t'en donner. Quand tu lui donnes, là, c'est Dieu maintenant qui va te payer. Mais ce n'est pas les hommes qui doivent te payer. Quand tu fais la charité, n'attends pas que les hommes te payent. C'est Dieu qui doit te payer. D'une façon ou d'une autre. Si tu fais du bruit, tu fais tomber, pam, 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 pam. L'ange, l'oiseau, c'est un ange. L'ange qui doit descendre, l'agent ailé, le Saint-Esprit, l'oiseau, l'ange qui va descendre pour t'apporter la richesse, pour te récompenser là. Il ne vient pas parce qu'il n'aime pas le bruit. Tu n'as plus de trompette. Pam, pam, pam. L'ange venait pour t'apporter ta récompense, te bénir. Maintenant, t'as, pam, pam, il est reparti au ciel. Parce que tu as trop fait de bruit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais terminer cette partie parce que on aura beaucoup à dire. Donnez-moi juste 5 minutes, je vais terminer cette partie et puis on aura la prochaine fois continuer sur quelque chose d'autre. Alléluia. Regardez. Donc, ce qui fait quoi? L'argent là, on dit c'est un oiseau, vous comprenez non? Tous les oiseaux chantent, non? Les oiseaux chantent, non? L'argent chante comme un oiseau, ça émet une voix, un bruit. Il y a ce qu'on appelle le bruit d'argent. Le bruit d'argent. C'est pour cela que, écoutez-moi très bien, this is a mystery. Non, c'est un mystère. Il y a ce qu'on appelle le bruit d'argent. Il y a des gens qui veulent faire des affaires, mais ils n'ont pas le bruit d'argent. L'oiseau, là, quand tu entends son bruit, tu peux aller te diriger pour aller le prendre. Parce que son bruit va l'amener à lui. L'argent émet un bruit. Il y a le bruit d'argent. Oh, ma kebosa. Karabase kebosa. Donc, qui émet le bruit, là? C'est l'ange. L'ange est comme un oiseau. Il est caché derrière l'argent que Dieu veut te donner. Et il émet un bruit. Et il va t'attirer vers un endroit où il y a l'argent. Tu vas investir, ça va commencer à produire. Oh, my God. Beaucoup sont sous au bruit d'argent. Si tu vis et que tu es sous au bruit d'argent, Michael, marquez les mots ça. Aïe, 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 aïe. Il te sera difficile que tu te diriges là où il y a l'argent. Il y a des gens qui ne sont jamais là où il y a l'argent parce qu'ils n'entendent pas le bruit d'argent. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des dossiers de travail. Ils ont ça sur, ils veulent travailler. Ça fait des années, des années, des années, des années. Mais peut-être qu'on a lancé une annonce sur Internet pour dire on cherche quelqu'un qui est qualifié, qui a leur diplôme là. Et peut-être c'est lui seul qui a le diplôme dans la région, mais il ne va pas travailler parce que cette information, il n'a pas vu, il n'a pas entendu le bruit d'argent. Ça, on appelle le bruit d'argent. Le bruit d'argent, c'est quoi? Dieu va te positionner dans un endroit où tu vas entendre une information qui te dit qu'il y a l'argent à tel endroit. C'est ça qu'on appelle le bruit d'argent. Il y a des gens qui sont insensibles au bruit d'argent. Ils n'entendent jamais, ils ne sont jamais informés de là où se trouve l'oiseau, là où se trouve l'esprit de l'argent, et ils n'y vont pas. Alors, si tu n'as pas rendez-vous avec l'oiseau, tu n'as pas rendez-vous avec l'esprit qui est derrière l'argent, tu n'as pas rendez-vous avec l'endroit où se trouve l'argent, tu seras toujours pauvre parce que tu es sourd au bruit d'argent. Ma prière est que tes oreilles spirituelles se débouchent et que Dieu parle à tes oreilles et que tu sois sensible au bruit d'argent et que tu sois conduit là où il y a l'argent, que tu aies les richesses dans le nom de Jésus. C'est pour cela que lorsque Élie était au désert et que les corbeaux lui apportaient le pain et la viande du ciel, les corbeaux sont des oiseaux qui vont en haut dans les hauteurs, ils sont des esprits, des anges, ils viennent apporter quelque chose comme la provision, le pain et la viande. Quand c'est fini, il a entendu une voix qui lui dit « Va à Sarepta ». Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu avait eu lui parler et il a entendu le bruit de l'argent. Il a entendu le bruit de la richesse et il s'est déplacé vers Sarepta. Et là-bas, Élie a eu l'abondance et il a eu la richesse pendant le désert.
Frère, si tu es sourd au bruit d'argent, tu seras pauvre. Parce que beaucoup de personnes sont pauvres parce qu'elles n'entendent pas le bruit d'argent. Sois sensible au bruit d'argent pour que tu puisses identifier l'oiseau où il est, où il y a la richesse. Là, l'oiseau donne l'adresse de la richesse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sois à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il y avait 4 lépreux qui sont décidés. Ils vont partir. Et quand ils sont partis, on dit que les gens qui venaient mettre Samaï sous siège ont entendu des grands bruits. Et ils se sont dit certainement, c'est des Égyptiens qui viennent à la ressource des Samaritains. Ils ont fui. Et les lépreux sont partis. Ils ont entendu le bruit d'argent. Là où tout le monde était silencieux, était sourd, ils ont entendu le bruit d'argent dans le silence. Bien-aimés, au cœur de la pauvreté, au cœur du manque, où les bailleurs de fonds partent, tout le monde s'en va. Tu peux entendre le bruit de l'argent qui te dit, reste ici. Toi, tu deviendras milliardaire. Tu deviendras multimillionnaire. Comme Isaac dans le désert. Reste à Guéra. C'est le bruit d'argent, frère. L'argent est un oiseau qui peut changer de position. Il est en bas, il est en haut. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que, écoutez-moi très bien, il y a deux positions pour prendre l'argent. On peut prendre l'argent en étant en bas et on peut prendre l'argent en étant en haut. Ça veut dire quoi? Il y a des moyens terrestres pour acquérir l'argent. Selon que l'argent est emmagasiné dans des greniers de terre ou bien emmagasiné dans des greniers au ciel. On peut prendre l'argent en bas comme un oiseau qui est en bas ou on peut le prendre en haut sur les arbres, sur la montagne, dans la position élevée. Écoutez-moi très bien. La position terrestre, c'est la position païenne. Il y a des moyens païens pour avoir l'argent, la richesse. Et il y a des moyens célestes pour avoir la richesse. Ça, c'est les positions élevées. Car Dieu nous a mis sur le chandelier, sur la montagne. C'est en haut qu'on peut prendre l'oiseau qui vient dans les hauteurs, c'est-à-dire dans les lieux célestes. Mais pas en bas. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont une position élevée, mais ils ne prennent pas l'argent dans les hauteurs, ils veulent prendre l'argent en bas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Quand tu es positionné en haut, à cause de la montagne de Dieu, parce que tu es en haut, tu dois acquérir les richesses dans les hauteurs. Ne viens pas acquérir les richesses en bas, ne descends pas. Parce que si tu descends, tu vas chuter. Oh my God. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir que, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, une femme qui ne connaît pas Dieu, peut commencer à faire la prostitution. Elle va faire la prostitution, elle va rencontrer des hommes riches, des gens milliardaires, jusqu'à dans ça. Elle va construire une maison, elle va s'en sortir, elle va avoir voiture, elle va s'en sortir. Peut-être même elle va épouser un des milliardaires. Demain, elle va dire, j'étais prostituée, j'ai rencontré ce milliardaire dans prostitution, il m'a épousé. Le blanc là, il est amoureux de moi. Mais toi, tu es chrétienne, tu as une position élevée sur la montagne. Tu veux descendre de ta montagne pour utiliser les moyens d'en bas. Tu es en haut, tu descends pour tordre ton cou pour aller en bas. Il dit, ah, tu as tombé. Oui, toi, tu essaies ça. On dit, tu as fait, voilà, tu es malade. Tu as pris plein de maladies comme ça. Tu as fait naître, on va t'opérer. Tu as fait naître, on va te tuer. Tu as fait naître, tu vas tomber dans la drogue. Pourquoi? Parce que tu as une position élevée et tu, de ta position en haut sur la montagne, tu veux descendre pour venir prendre l'oiseau qui est en bas. Non! Et c'est pour cela que la Bible nous dit que le gars qui est païen, qui ne connaît pas Dieu, lui, il marche en bas. Il ne peut pas être élevé. C'est pour ça que la sagesse de Dieu est trop élevée pour l'insensé. Il est en bas, il est à terre. Il ne peut pas aller prendre l'argent dans les hauteurs. Il ne peut pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi très bien. Dieu, le Dieu que nous prions, ce Dieu avec lequel nous marchons, est un Dieu fort, est un Dieu puissant. Mais il y a des principes. Et nous avons voir les principes de Dieu. Les principes du royaume selon lesquels on doit avoir des richesses. Un enfant de Dieu doit utiliser les principes d'en haut, les principes divins pour prendre l'oiseau, pour prendre l'argent, pour prendre les richesses dans les hauteurs. Ne descend pas pour vouloir utiliser les moyens du monde. C'est pour cela que les chrétiens veulent s'enrichir en faisant les fausses factures. Tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est les moyens du monde. Tu n'as pas besoin de faire fausses factures pour t'enrichir. Tu n'as pas besoin de voler pour t'enrichir. Il y a des principes. On va vous enseigner ça pendant tous ces séminaires. Vous pratiquez, Dieu va vous donner l'argent. Il n'y a rien à faire, c'est incontournable. Mais Dieu est un menteur. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Si quelqu'un est dans le monde, il ne peut pas utiliser certains principes parce que Dieu a fait ça pour que si tu es en bas, tu puisses te nourrir. Si tu es en haut, tu puisses te nourrir. C'est pour ça que les gens du monde aussi, ils ont ce qu'ils doivent avoir parce qu'ils regardent le tabernacle. Quand vous voyez le tabernacle là, dans le parvis, là, le métal qui domine dans le parvis, c'est le bronze. Quand vous regardez dans le lieu saint, le métal qui domine, c'est l'argent. Dans le lieu très saint, le métal qui domine, c'est l'or. Quand vous regardez comment c'est organisé, le parvis, c'est le monde. Le lieu saint, le lieu très saint, c'est le royaume.
Comprenez bien ceci. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent, c'est pour lui. C'est-à-dire, ce qui est dans le lieu saint, dans le lieu très saint, c'est ce qui appartient à Dieu. C'est ça qu'on appelle la tente de la rencontre. Là où Dieu veut rencontrer l'homme, là où Dieu veut nous rencontrer, c'est dans le lieu saint. Et c'est là qu'il y a l'argent. Et Dieu aussi est un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Quand on va dans le paradis, Apocalypse 22 nous décrit le paradis comme étant un lieu qui est pavé d'or. Apocalypse dit, le paradis est pavé d'or, au paradis, dans le lieu très saint, dans le sanctuaire de Dieu, il y a l'or, dans le royaume des cieux, dans l'église, dans les cieux, il y a de l'argent. L'argent et l'or, c'est pour nous, parce que le lieu saint, très saint, c'est notre habitation, c'est notre demeure. Le parvis du monde, là, il y a du bronze. Ce qu'ils ont normalement est très peu. Ils ont une petite quantité d'argent. C'est le bronze qui domine. Le bronze est moins bien précieux que l'argent et l'or. Ça veut dire la richesse que Dieu veut nous donner, elle est plus grande que celle du monde. Mais comment se fait-il que les gens du monde sont plus riches que nous? C'est pour ça que la Bible nous dit, Dieu donne, Dieu dit, il laisse aux païens d'amasser pour que nous les croyants, nous en ayons, nous puissions prendre ce qu'ils ont eu le temps d'amasser. Mais la Bible nous dit que les fils de ce monde sont plus sages que nous, parce qu'ils ont plus de sagesse que nous. C'est pour ça qu'ils volent et que les chrétiens restent dans l'ignorance, ils restent pauvres. Mais moi, je dis, tu fais partie de la catégorie qui deviendra riche. Si tu entends cet enseignement, la richesse est entrée dans ta maison. Si tu entends cette parole, la richesse est déjà entrée dans ton compte en banque. Si tu m'entends, c'est que déjà la chose est venue. Car si tu entends, la foi est entrée. Si la foi est entrée, c'est que l'argent va venir vers toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, l'argent du monde est contrôlé par l'esprit du monde. Par le dévastateur. Daniel chapitre 9, lisez ça. Daniel chapitre 9, verset 27. On dit le dévastateur fera cesser les offrandes et les sacrifices. Le dévastateur, il peut remplir le cœur des gens. C'est lui qui fait que dans l'église, les gens ne donnent pas. Rappelez-vous Actes chapitre 5, verset 3 à 5. La Bible nous dit Ananias et Saphira avaient pris leur billet, mais ils avaient refusé de donner une partie de l'argent. Ils ont retenu ça dans leur. Il l'a retenu dans sa poche, Ananias. Et Dieu lui a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu ne donnes pas ce que tu avais prévu de donner? Car le diable remplit le cœur des gens, il rend les hommes, les chrétiens méchants, amis de l'argent. Ils élèvent l'argent comme un dieu, il ne peut pas se débarrasser de ça. Quand quelqu'un est ton maître, tu ne peux pas te défaire de lui. La preuve que l'argent est ton maître et règne sur toi, tu ne peux pas te défaire de l'argent. Quand l'argent n'est pas ton maître, tu peux t'en défaire. Si tu ne peux pas t'en défaire, c'est qu'il est déjà ton maître, il te contrôle. Vaut mieux le contrôler plutôt qu'il te contrôle. Si l'argent te contrôle, que c'est l'esprit du diable qui est derrière, il va toujours te contrôler et il va ordonner tes transactions. Il te contrôlera jusqu'à ton dernier retranchement. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre quel est l'esprit qui est derrière l'argent. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en dire long. Mais demain, nous allons faire un rappel, nous allons continuer. Que mon Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et je pense que pendant que je suis en train de parler déjà, Dieu est en train de positionner ses anges, ses oiseaux qui descendent du ciel pour t'apporter la provision. L'esprit de l'argent, l'esprit de la richesse est en train de rentrer dans ta maison, est en train de rentrer dans ta vie partout où tu es. Cet esprit est en train de te toucher là où tu es. L'esprit est en train de toucher ton compte en banque. Ne sois pas étonné qu'il y ait des virements d'argent, de compte, dans ton compte en banque. Ne sois pas étonné que tu découvres de l'argent ce soir dans la maison, dans ta maison, de l'argent pour lequel tu n'as pas travaillé. Des miracles financiers peuvent s'opérer dans ta vie à tout moment pendant que nous faisons ce séminaire. Dispose-toi, Dieu sera sur le point d'accomplir des miracles pour toi. Que la grâce soit avec toi, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je prie maintenant pour toutes ces personnes qui ont des difficultés financières, qui ont des blocages. Je prie que l'esprit de l'argent, Seigneur, l'esprit de Dieu, le bon esprit, les visites, que l'oiseau descende du ciel. Je prie que la manifestation de la puissance de Dieu le touche au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète maintenant dans leur vie, dans vos vies, dans vos comptes en banque, dans vos vies, que Dieu vous visite par cette onction de la prospérité que je libère au travers de ces ondes. Dieu vous touche. Dieu manifeste sa puissance dans votre vie. Je déclare ces choses dans votre vie. Recevez la prospérité dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de celui qui enrichit vous touche dans le nom de Yeshua HaMashiach. Que tout esprit de pauvreté qui suivait quelqu'un qui me coûte maintenant le libère au nom de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Dieu dans votre vie, la gloire de Dieu dans votre vie. Que la richesse qui accompagnait Abraham vous accompagne. Celle qui accompagnait Isaac vous accompagne. Celle qui accompagnait Jacob vous accompagne. Celle qui accompagnait Yosef vous accompagne. Celle qui accompagnait David vous accompagne. Et je prophétise que la richesse qui était celle du Christ soit avec nous dans le nom de Yeshua HaMashiach. Jésus le Messie,
J'ai prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Demain, nous allons nous retrouver, même heure, même fidélité, on avait pris un petit retard, nous allons nous retrouver demain, même heure, 14h, heure de New York et de Montréal, 19h, heure d'Abidjan, de Casa, de Londres, 20h, heure de Paris, Rome, Bruxelles, Francfort, Berlin. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit avec vous. Invitez beaucoup de personnes. Demain, nous allons entrer dans une autre dimension. Il y aura la puissance de Dieu. Partagez cette vidéo pour que les gens entendent, pour que les chrétiens entendent. Dès que vous finissez cette émission, appuyez, partagez. Si nous sommes à un nombre de 100 personnes que nous partageons cette vidéo, à tous les gens entendront cette parole et des gens ne vont pas continuer dans l'idolâtrie, aller chercher de l'argent d'une façon bizarre. Vous allez sauver des vies. Parce que là où tu vas trouver l'argent qui vient de quelque part, cet esprit qui est là, il sera ton maître. Celui qui est ton maître va déterminer ton salut. Alors, c'est important de comprendre ça. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce soit avec vous. Demain, même heure, même fidélité, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Sois béni, Wadenyepa, sois béni, Lydie Konandipne, sois béni, Flore Lafleur, Rosine Amont, tu es béni, Soleil d'Afrique, tu es béni. Frank Herman Gogwa, tu es béni. Glory Deepness, tu es béni. Tamia Kwasi, tu es béni. Frank Herman Gogwa, tu es béni. Innocent Doua Deepness, tu es béni. Oh, Flora Fashion, épouse Kamara, ma fille, tu es béni. Oh, la belle Léonzi, près de Jésus-Christ. Près de Jésus-Christ, joli garçon sans produit gagnant. Le père Léonzi est là. Oh, sois béni, homme frère, tu es béni. Grand serviteur de Dieu, grand sacrificateur, tu es béni. Christelle Archer, Yeye Amari, tu es béni. Soleil d'Afrique, tu es béni. Caleb Élisée Deepness. Pasteur Ruti Rose de Saran, ma fille, tu es bénie, sois bénie, soyez bénie, Santal Keke, que la grâce soit avec vous, Geneviève Zo, demain, même heure, même fidélité, rendez-vous pour des témoignages, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen.